Quand tu vois que tu mets genre 20 minutes à faire le donjon et que tu fais 3 barres. Hein. C'est pas mal. Et ouais, puis il y en a qui XP plus que ça aussi, je crois. Enlever la veste finalement. Dragonflight. Mon petit chasseur de démons qui a perdu tout son charme avec ses armes bizarres et son chapeau bizarre. Ah ouais. Moi, j'ai changé deux trois trucs là. Ah ouais, ça a changé les gants. Quand j'irai en ville, je ferai de la transmob. Pas trouvé le PNJ. Salut Gramokil. Merci, comment tu vas? Ah, astuce, si vous êtes poli en groupe, vous aurez plus de chances d'être invité à nouveau. Ah bon? J'aurais dû réinstaller le jeu sur mon SSD. Ouais, pour l'instant, j'aime bien, ouais, Gramo. Pour l'instant, j'apprécie, j'apprécie. Ah, j'ai oublié mon café et un autre truc, j'arrive. Voilà. Café. Ah, va falloir que je change mes sacs du perso, moi, parce que. Ouais. Pourquoi c'est pas des bons sacs? Bah, ils sont un peu petits là, ouais. Ceux que j'ai. J'en ai pas encore chopé. Hop. On n'a pas dans les quêtes. Bah, j'ai peut-être. Je sais pas. J'ai peut-être pas passé par les bonnes. Merci de se mettre. Comment tu vas? Peut-être un peu plus tard aussi. Ok, donc. Oh, Je fais le beaucoup de donjons loir surtout moi. luisant ici. Pour monter 60 aussi? Non, pour monter 60. Destruction sommée. Je suis trop loin. Ah bah c'est de la destruction visiblement. Ouais, moi je vais très bien. Il fallait, d'accord. Donc ça aussi c'est de la destruction. Voir un truc au niveau du son. Je suis hors de portée. Un peu fort maintenant. Dans 5 mois, je te rejoins à ce vénérable âge de 29 ans. C'est vrai? 5 mois, ça va, t'es encore bien là. Ah là là. Mine de rien, ça passe vite, hein. À partir du moment où t'as 25 ans, je dirais, ou même 20 ans, ça commence à passer très très vite.
Mais c'est pas possible, elle va me lâcher cette mouche. Je suis sûr que c'est la seule en plus. Combien qu'il y en a qu'une, attendez, je prends le temps de lui de détruire sa race. Nickel. Ah oui, c'est vrai, j'ai appris un nouveau sort en fait, moi. Faudrait que je l'essaye. 30 secondes de recharge, ça pose un sigil de feu. Et du coup, c'est censé taper tout seul. Yo Etix, comment que c'est? Merci beaucoup. Voler mes enfants, massacrer ces hérétiques. Oh là, ça demande des trucs sympas là. Hein. Voler mes enfants, massacrer les hérétiques. Boucher. Alors, on va faire un truc. Je vais voir ce que c'est ça là. Ah ouais, ça. Ok. Ça a l'air pas mal. Ah, je crois qu'il y a un joueur chez nous. Je dois d'abord choisir une cible. Bon, comment va Monsieur Waitix? La parole de Zul. J'ai un nouveau skin d'épée à deux mains. Cool. Stilux? Ah non, c'est une arme d'ast. Non, dommage. Stilux and the Flux? Non, c'est une arme d'ast. Mais ouais, elle est pas mal. Ouais. Alors, il y a un numéro 1 ici, c'est la parole de Zul encore. On va essayer de monter. Ah, ça peut être au-dessus. On va faire comme ça. On va mettre le sigil. Hop, 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 hop. Là, il y a de l'ennemi. Hein. Faut que je fasse très attention à mes retards parce que sinon, je vais mourir. Et je commence à avoir un peu de sorts de zone, du moins mes sorts s'améliorent pour l'aider pour la zone. Donc quand il y a des bons paquets, tu mets des belles tartes maintenant. Ça tartine un peu plus maintenant. Ouais. Ouais ça va, ouais, Tix, tranquillement. Merci Captain. Alors pas merci, mais salut Captain Shock. Bientôt toi, les 30 ans. Ah bah donc. Et bah moi c'est bon, hein, dans un an les gars. Salut Kensho. Du coup ça c'est bon, mais par contre ça c'est pas bon. Je dois... Il est où le... Ah, il est en dessous. Je suis trop loin. Vous allez bien les gars sur le chat hein? Tranquillement, à base de tranquillade. Parchemin.
je suis hors de portée. Well raised parchemin. Je dois m'approcher. On dirait que j'ai un joueur avec moi tout le temps, mais c'est le PNJ. Alors vraiment, c'est joueur. Hein. Non, on a l'impression que c'est un joueur qui te suit des fois quand tu fais pas gaffe. Ouais, c'est vrai. Et j'ai un truc à rendre ici. Ah, c'est à elle, je suis bête. Bah ça y est, du coup, elle va me lâcher. Non. Non, elle me lâche pas. Ah, attends, il y a l'air d'avoir un transport ici à côté. Mais là. On va essayer d'utiliser une monture. Hop, pas par là. Allez. Hello, Apsu. Alors, cette découverte de WoW, ça se passe comment? Et bah, ça se passe bien, écoute. Vous avez remarqué, je suis 34, j'ai joué un peu off-live. Et bah, ça se passe plutôt bien. Salut Clément! Merci beaucoup pour le Prime, ça fait plaisir. Pour le sub. J'ai hésité et pourtant c'était le bon choix dès le début. Faut que je chevauche Atta. Atta! Les troupes de Zul, elles le thème de Kourou. Entre ici et Atal d'Azar. Il faut qu'on leur règle leur compte. Vivant la découverte de la nouvelle extension, elle est vraiment cool. Niveau 60, ouais. Mon frangin, il a speedrun, hein. Michel, il a speedrun de fou, hein. On a commencé en même temps, lui, il est niveau 67. Bah, j'aurais pu... je pense que tu peux aller largement plus vite, hein. Je sais quoi. Enfin, ça. Ouais, puis t'aurais pu. Oui. Elle te manque. C'est une extension, ce que je suis en train de faire, là. Un satin. Il y avait une question que je me posais, c'est les armes de mon perso. Normalement, j'ai des armes de Demon Hunter et je me retrouve avec une épée et une hache. Et c'est pas grave, non? Ça me cancel rien, ça m'empêche pas de taper plus fort ou de bénéficier de certains items ou de trucs dans le genre, on est d'accord. Je trouvais ça bizarre de remplacer mes armes de Demon Hunter par des armes lambda. Oh. Ah, je viens de me faire. Putain, c'est pas vrai. Je viens de me faire. Je suis dans un trou. On est le trou. Ouais, c'est pas mon. J'ai oublié. Je dois d'abord choisir une cible. Yeah. Il reste une mouche. Loupé. C'est satisfaisant, ce petit personnage. Je n'ai pas de cible. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Tes visions, il y a intérêt qu'elles soient vraies. Hérétique, ces terres sont sacrées.
le voilà, le loa de... De quoi déjà? Oh, le manque de respect. Ton langage, traître. Rezane, Rezane, tu ne comprends rien? Je ne suis pas ton sujet, et ta place, elle n'est pas parmi les rois. Ça sentait, hein, ça sentait la couille, hein. La magie du sang, là. Ah bah, il est mort. Ouah. L'ère des lois, elle est révolue. C'est trop stylé, des squelettes trolls. Approche. Ils sont plus stylés en squelette qu'en forme humanoïde. Pendant level up, tu prends des trucs qui donnent le plus de level aux elfes du reste. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Je ne sais pas à quel point on peut te donner des infos pour que tu puisses découvrir... Ah oui, non, envoyez les infos, les gars. Je n'ai jamais été anti-spoil, moi, dans les jeux, vous en faites pas. Et quand je veux pas de spoil, je le répète souvent, tu vois, et ça m'arrive jamais. Non, il n'y a pas de souci vraiment. Bon, par contre, quand c'est marqué en rouge, comme là, comme pour la masse, ça veut dire que je ne peux pas l'équiper, on est d'accord. La masse. Ça, c'est une habitude de jeu vidéo, donc y a pas de souci. Ça, c'est quoi? Sans doute. C'est moins bien. On doit se battre contre Rezan. Oula, tous les squelettes dans le dos. J'ai envie d'aller me les taper. Oh, Deniro, comment que c'est? Merci pour le sub. Hello. Merci, merci. J'ai pas de points à mettre. Waouh, mais j'ai trop envie d'aller les taper là, à côté là. Ah, mais il y en a plein en bas aussi. On sait, ça vaut le coup, quoi. Il est temps de partir. Repliez-vous. Quoi ? On reprendra le combat un autre jour. Bah non. Comment ça, repliez-vous ? Prédateur ou proie ? Ah, il faut vraiment fuir. Changez, mes frères et sœurs. Ne leur laissez aucun répit. Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Rezan donne la force. Ils ont de ces voix. Pour toujours, que l'ennemi tremble en vous voyant. Et bah enfin, j'ai changé mon torse que j'avais depuis le début de l'aventure, depuis le niveau 8. Waouh, je suis encore plus moche. Aïe, c'est un concours, hein. Je suis en train de le gagner. Ok, donc du coup, là, je suis censé me barrer et aller parler à la princesse. Je crois qu'on peut mettre des pings. Non, on peut pas mettre de ping. On va faire comme on peut. Oh, salut toi. Bill de ressusciter. Il a 13 000 points de vie, vous pensez que je peux le gérer ou... Non. On va pas faire n'importe quoi, les gars. 13 000 alors que je vois jamais de moins 1000 tomber. Oh putain, j'y vais. On verra après pour le point. Oh, ça c'est pour moi, ça c'est écrit de ça. Et moi je me souviens, moi. Ah, ça va les donjons, ça donne encore une bonne base d'XP. Ouais. Ouais, ça va. Je dois d'abord choisir les cibles. Et bah finalement c'était plus simple que ce que je pensais, il avait juste plein de points de vie quoi.
Alors, ton perso met du cuir, donc tu vas prendre uniquement des items de cuir, et la stat principale, c'est l'agilité, donc tu mettras pas de force ou dentelle. Alors, tu vois, je me suis même pas encore posé de questions sur les stats. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux changer ton interface graphique avec des add-ons. Ouais, ça, je suis au courant, mais je l'ai pas encore fait. On était censé le faire ce week-end avec, Omera, mais je crois qu'il n'a pas eu l'occasion de se connecter. Changer ton interface. Ouais. Il est où le ptérodactyle volant? Personnaliser un peu, ça fait pas de mal. Voilà. On va prendre ça et on va voler là-bas. Salut Pyro, comment tu vas? Mais non, toi aussi, t'es né quand? L'anniversaire aussi, Pyro. Tu n'as pas normalement le vol au level 30? Aucune idée. Je sais pas quand est-ce que je suis censé avoir le vol. Je crois que tu peux l'acheter à Orgrimmar. Tu l'achètes? Ah ouais, tu débloques au maître de vol. Comme le maître des cavaliers pour les montures au sol. Ah ouais, non mais moi les montures je l'ai eu automatiquement en étant de mon perso, alors je savais même pas que... Ça s'achète avec des gold par contre. Qu'attendez-vous des amis? Alors, du coup là je suis un PNJ maître de vol. Ah ouais, mais il vend rien. C'est pas ceux-là, c'est Orgrimmar dans la dans les grandes villes, d'accord. Je crois. Oh, j'ai une quête rouge. C'est la première fois que je vois une quête orange-rouge. 25 ans, Pyro, putain, je te pensais plus vieux. Moi qui me demandais s'il y avait des quêtes principales dans le jeu, sûrement que ça c'est une principale, non? Ah ouais, ouais, un peu. Rouge-orangé comme ça, non? Et salut Saka et bon anniversaire à ta femme. C'est vrai qu'il pleut des gâteaux d'anniversaire en ce moment. The fuck? Nous on est nés dans cette période. Va à Orgrimmar l'acheter même sans quête. Regarde si t'as une quête qui te demande d'aller l'acheter. Une quête qui me demande d'aller l'acheter. Alors J comme journal des quêtes. U, non. K, non. L. Et L. Je pense qu'il faut aller voir effectivement, mais... Alors, les quêtes oranges sont des quêtes de campagne, d'accord? La table des zones, ça? Rendez-vous dans les... Ah d'accord, donc j'en ai fini avec cette zone-là? C'est ça? Et je suis censé aller faire une autre zone? Les oranges, c'est des quêtes principales avec des vidéos normalement. Ça vaut le coup de les faire, on est d'accord? Ouais, je pense. Tu l'as jamais fait, ça fait des succès, puis ça te fait découvrir l'histoire. Bon, moi j'aimerais bien avoir mon truc pour voler là. Après, j'ai peut-être pas de dragon qui vole. Le dragon que vous avez vu tout à l'heure, peut-être qu'il vole pas. Je vais mettre mes points déjà. Alors, Demon Hunter Avoc. Je sais plus niveau combien. Ça doit être pour initiative. Ouais. Inflige des dégâts à votre adversaire sans lui laisser le temps de vous toucher. Augmente vos chances de vos critiques. Attends, faut que je le comprenne. Ok, si je le tape avant qu'il me tape, en gros, augmente mes chances de crit de 12% pendant 5 secondes. Donc en gros, mon aggro est plus forte. Enfin, en gros, quand j'attaque, je me booste. Quand j'engage. Retrait de vengeresse rétablit vos chances d'activer cet effet sur les adversaires que vous affrontez. Ah oui, d'accord. Pas mal. Donc, coucou, c'est à Orgrimmar pour acheter le vol.
Ah, c'est une question, pardon. Je sais pas du tout. J'aurais bien filé quelques gold pour acheter le vol et quelques trucs, mais on n'est pas sur le bon serve. Bah, j'ai 1534 gold, peut-être que c'est suffisant, non? Voilà. Je crois que c'est un peu plus. Bon, alors on s'en fout pour l'instant des gold. On va laisser. Mais je peux On se te, je déplace peux à te. pied, tant pis. Il y aura Je bien peux un moment dans t'enfiler. l'histoire où on me dit, tiens, achète la monture. Je peux t'enfiler, moi. Je préfère des golds. Comment? Préfère des golds. Non, mais je peux t'enfiler des golds. C'est No. mieux, hein. J'ai assez pour le premier vol. Est-ce que ma monture de vol. Enfin, est-ce que ma monture, elle peut voler là? Bah, je Celle-ci. pense. Bah, celle-là, elle vole dans. Attends. Ça, c'est un skin de d'un des Drake. Donc celle-là, si elle vole, ça veut dire que si je vais prendre la monture, je peux déjà voler. Quoi? L'amalgame de rage, il vole? Qu'est-ce que c'est que Oh, de toute façon, oui, si c'est une monture comme ça, ouais, non, c'est pas un Drake. Donc, ouais, de toute façon, celui-là, ils volent, ouais, l'amalgame, ouais, ils volent. Ils volent tous, Beans? Ok. hein. Bon, venez, on va le chercher finalement, du coup. Alors, dans ce cas, c'est où? Je vais prendre un truc de vol. Même ton chocobo, là. Ouais, je l'ai enlevé mon chocobo parce qu'il vole pas lui, je pense. Je sais pas, en vrai, je pense, ça se trouve. Le chocobo dragon de. Vous avez besoin de protection. Alors, comment qu'on fait pour aller à Orgrimmar? Oh là, on peut pas aller à Orgrimmar Je depuis un sais, mètre de les hommes. vol. Regarde ta pierre de foyer, peut-être, non? Je sais pas. Ah, ma pierre de foyer, c'est une bonne idée. Elle est où? Allez, regarde dans l'inventaire, elle est sur quoi? C'est envoyé à la vallée de la force. Oula. Là. Bah, la vallée de la force, c'est Orgrimmar. Ah bon? Ouais. Crois. Dans le chat, ils vont te dire. On peut pas voir où est-ce qu'elle emmène avant de cliquer dessus? La zone? Ouais, c'est Orgrimmar, la vallée de la force. Puis après, dans Orgrimmar, tu. Ah, maintenant, je sais pas si t'auras le vol déjà, toi, de. Droit puis à gauche, tu as les TP. Attends, ok, ça marche. Droit puis à gauche. Ah ouais, tu peux aller au TP sinon dessus. Par là? Non, non, Reviens! en dessous. En dessous, En dessous. en dessous. Au milieu. Damn. Ça c'est chez les Faut taurennes, regarder. si je connais pas. Ça c'est chez les trolls et ça c'est peut-être Orgrimmar. Non, mine d'argent. Ah c'est ça, Tu Orgrimmar. regardes sur le portail, c'est écrit normalement. En bas à droite, ouais. Ah, vous connaissez par cœur les gars. C'est fou. C'est moi ou il est en train de souffler dans son biniou avec son nez? Ah Ouais. non, c'est un anneau. Ok. Je sais pas. Je jure, j'ai cru qu'il était en train de faire du corps de guerre avec son nez. Ah, quand même, Kenpachi, hein. Effectivement. Tu vois le temps que t'as passé sur Dofus, moi c'était sur WoW. Ah ouais? Là, j'ai 28 000 heures sur Dofus. C'est vrai que je pense que du coup. Ça se trouve, les joueurs de Dofus qui commencent, ou du moins qui découvrent un peu, ils ont peut-être la même sensation que j'ai quand vous montrez des trucs dans le jeu. Ah bah tu vois, je suis arrivé ici, on me dit, le ciel vous appelle, il est temps de prendre votre envol, tiens. Je peux l'accepter, mais. Faudrait que j'enlève plein de quêtes là, c'est chiant. Comment je fais? Faut que t'ailles dans L. Ah, tu peux faire un clic droit finalement. Ouais, tu peux faire sur directement. Ah non, je crois que j'ai enlevé le truc du vol. Yes, je viens de l'apprendre et je l'enlève. Bah, tu peux faire L et aller la rechercher. Elle est dans Orgrimmar, à mon avis. Bon, je la vois. Ah bah si, je l'ai en suivi. C'est juste qu'elle s'appelle prendre son envol, mais j'avais pas vu. Je voyais trouver Mazda. Là. On parle de voiture là. Il y avait un shift-click pour les enlever. Oh.
J'ai pas souvenir de que ça ressemblait à ça, Orgrimmar, hein, quand j'avais ouvert le jeu il y a 20 ans. Et tu peux reparler au mec derrière toi, tu aurais gagné des deniers. Oh, j'ai cliqué au coffre, j'ai gagné 1100 deniers. Ouais. C'est quel mec qui donne des deniers à part si tu disais que c'était le coffre? Ouais, il y a un PNJ avec un point d'interrogation, je crois que c'est le PNJ des deniers. Quels bons esprits vous amènent? Que la chance soit avec vous. Quête, ça se trouve, je sais pas si on voit cette XP gratuite, quoi. Ah, c'est ça le truc de transmogriffe. Que puis-je faire pour vous aider? Comment il est stylé, lui? Ça ressemble à ça, non? Ah, au fait, le truc de transmo, c'est qui? C'est lui? Non, c'est pas lui. C'est lequel? Parce que je sais qu'il y avait un truc stylé. C'est lui? Le comptoir? Bah, il est pas ici, je crois. Le Gamicule, la monture qu'il y a. Ah oui, c'est ça, ouais. J'ai vu. Elle est stylée de ouf. J'hésite à la prendre, on verra bien. Désolé si je loupe vos messages des fois dans le chat. Hein. Salut Turti, comment tu vas? Bah, moi, ça se passe bien, écoute. Longe à droite le bâtiment. Tu auras un ascenseur pour monter et voir le maître de vol, ok. Salut Néo. Comment ça, tu hallucines? Ah, un bébé tigre spectral. C'est mignon. Ouais. Ensemble, armure de... Wouah. Miku? Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Bon, ça pète sa mère. Et toi, ça ressemble à ça quand tu le prévises? Ouais, c'est un skill. Ouais, c'est pas spécial, mon perso, ouais. Ouais, je pense pas. Tu l'as pris la grosse épée là, la conquête? Non. J'hésite. Je sais pas, elle m'attire pas trop. Le skin complet là, ça donne envie. Hein. Ouais. L'épée là, elle est pas mal à une main. Le rasoir? Un petit effet et tout. Ouais. J'aime pas trop la couleur. J'avoue. Une épée courte polie, c'est du foutage de gueule, c'est l'épée niveau 1, ça. Ah, ça, c'est stylé, par contre, hein. Parure prodigieuse, là, je sais pas quoi, là. Le costard. Par contre, ça vaut le coup, non? Ouais, on a tous la même chose. C'est quoi, c'est un skin, on est d'accord? Le tigre, il faut le prendre dans l'idéal. Pourquoi? Salut Tartifesse. Il y a une monture que tu peux acheter 300 000 PO à un PNJ. Il te permet de pouvoir transmo n'importe où. Ah ouais. Ça va 300 000 PO. Il me manque juste 300 000. À peu près. C'est le mammouth. Alors, j'ai stop il y a 2 mois. Je vais me reco juste pour récupérer le bébé. Parce que c'était TCG. Comment ça? Alors, oui, c'est des skins, ce comptoir. Ça vaut plus rien maintenant. Bah du coup, ça sert à rien de le prendre, ça vaut plus rien. Ouais. Heureux. Bah, du coup, ça veut dire que de base, le bébé tigre spectral, quand vous l'aviez, ça coûtait super cher, genre à l'HDB ou un truc comme ça. Et maintenant, maintenant qu'il est dans cette boutique, il a perdu toute sa valeur, c'est ça? C'est une monture, ça? Ouais, une monture. Faut pas monter là-dessus, les gars, le pauvre. Une mascotte, là, je crois. À part si quand tu montes dessus il devient gigantesque, mais bon, en vrai, vous me dites d'économiser ou ça vaut le coup de prendre ça? Je sais pas. D'un côté, je me dis que j'ai pas spécialement envie de prendre un skin qui me plaît pas plus que ça. Et j'ai fait ouah parce que en fait, j'ai pas de skin. Je suis un pigeon, tu vois. Tout nu.
Mettre en cage et le revendre re et revendre la dernière mascotte revendue comme ça, tu peux taper les 700K. Ok, donc ça, si je venais à le prendre, je pourrais le revendre. C'est marqué que c'est lié quand ramassé. Bizarre, non? Après, c'est dommage, je trouve que tu as pris la classe avec les skins les plus moches. Ah merde. Je trouvais que c'était la classe la plus stylée. Alors non, compte pas le revendre à ce prix, sa valeur a bien baissé et depuis tout le monde peut le prendre ici. Voilà, je prends rien alors parce que ça a À l'air bientôt. Prenez soin de vous. trop compliqué. Alors, pour voler, tiens. Ah, il est là le destrier. Pour voler, faut que. Trouver Mazda. Faut que tu montes par un ascenseur normalement. C'est où il y a le point d'interrogation. Ouais, je crois qu'il faut que tu montes par là. Je sais plus. On va monter par là, on va voir, hein. Plus je prends de hauteur, de toute façon, plus je peux planer loin. Donc. Et de la spéculation, ça ne fonctionnera pas vraiment jamais cette technique. C'est à droite pour le bâtiment principal. J'ai l'impression que j'ai fait le mauvais choix. Alors peut-être que là-dedans. Ouais, non, c'est pas. Non, c'est pas par là. Non. Là, c'est au-dessus, t'as vu? Ah oui, il n'y a pas d'ascenseur du coup, j'imagine. Vu que c'est un peu Non. primitif ici. Je pense pas, ouais. Qu'il y ait d'ascenseur. Bon, et eh ben, on va refaire un petit tour. Ah, ça a l'air de ressembler à un ascenseur. Et tu peux pas voler, non? Non. Justement, c'est la raison. Ah, celui-là tu peux voler, je pense. Oh Faut faire putain! attention. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. On peut mourir écrasé ou pas? Je sais même pas. Je t'avoue que. Non, non. J'ai stressé un petit peu là. J'ai pas test. Alors, c'est censé être par où? Censé être par là? Bonjour. Le seigneur Illidan est notre guide. Nous sommes assiégés. La Légion a bien l'intention de renverser Dalaran. Ça n'a rien à voir avec. Retrouvez-moi à Dalaran, au-dessus du défilé de Deuil-Vent. J'ai un plan. Certes, extrêmement dangereux, mais un plan quand même. De quoi avez-vous besoin? Cherchez la victoire. Fort et tonnerre. C'est elle, bonjour. Que puis-je pour vous? Ah. Non, c'est derrière. Expert cavalier. Il faut 5000 gold. Là, tu peux prendre celui-là déjà. Celui-là, il va me permettre de voler. Vous pouvez utiliser les montures volantes, ok, vous pouvez utiliser les montures volantes à vitesse max. Ah, c'est dommage, mais bon, au moins on vole. Charge héroïque. Allez, avec honneur. Donc normalement. Bon, je sais pas si on peut voler dans la ville principale, mais. Ah bah si. Ah oui, donc en fait, ouais, ils volent en fait, effectivement. Une chance sur deux que ça soit l'amalgame de rage. Voilà. Il est plus stylé, hein, l'amalgame de rage. Dragon. Il y a une touche pour tomber du. Ouais, ça doit être ça. Tu appuies sur la monture. Ok, nice. Ah, merci les gars. Eh bah, tant pis hein, pour celui des 5000 gold, hein, j'en ai 1200. On va pas s'inventer de l'argent. Comment je peux retourner où j'étais ou est-ce que je ferais mieux d'aller ailleurs pour faire des quêtes? Je pense que c'est pas mal de retourner où j'étais. Ah bah tiens, par là-bas, je pense.
Ah non. Il y a l'air d'avoir des portaux ici. Ah non, c'est un là où il y a le point, c'est où il y a les portails, ouais. En bas, où il y a la quête. Ah, ok. Nice. Est-ce que tu as pris un métier? Non, pourquoi? Tant pis pour la vitesse max pour l'instant. Hop. Oh merde, j'ai volé un peu trop loin là. Si t'as besoin, je peux te les filer, moi, y'a pas de soucis. Je pense. Faut que je regarde combien il reste sur mon perso principal. J'ai acheté tous les objets héritage, ça m'a. J'ai tout dépensé. Ça, ça doit être bien aussi d'avoir les items héritage, mais je pense que c'est. Ça s'achète pas à l'HDV, tu vois. Et où j'étais où, moi? Non. T'es là, non? T'es à Zalandar, non? Ouais, ouais, Zul'Dazar. 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 Tu as dépeceur qui va avec travail de cuir, ça peut permettre de vendre les compos HDV pour farm quelques PO. Ah, oh, je suis pas dans une optique PO pour l'instant. Ça viendra tout seul, tant pis. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, je suis là. Est-ce que je ferais mieux de prendre des quêtes, non? Ah, j'en ai plein. J'ai plein. Alors, un vol. Ah, mais attends, maintenant je peux voler moi-même? Ok, d'accord. Je peux voler moi-même, mais. Il est un peu lent, le bonhomme. Attends, on va faire mieux. Non. Je protège notre royaume. Attention. Et on peut pas tomber de la monture là à tout moment? Laquelle? Celle que tu viens d'apprendre le vol là? Bah de toute façon. Non, non. La monture automatique quand tu demandes un voyage. Bah tu peux te faire des mounts à force de prendre des dégâts, je pense. Alors là, boum, je descends un truc. Puis si tu rappuies dessus sans faire exprès. Je parle pas de ma monture à moi, hein. Je parle de la monture des vols. Tu sais, quand tu veux faire un vol d'un point A à un point B. Ah bah non, ça non. Je sais pas ça. Bah descendons. Bon, il y avait un... Ah oui. Je vous ai pas déjà vu par ici? À la voyure, l'ami. Gardez le contact. Ah oui, ça donne des golds ici. Hein. Merci, frérito. C'est pour ma future monture volante. Ça. Lancement de la fond de la monture. MRC. T'inquiète, d'ici là, tu voleras en dragon. Ouais, plus stylo, plutôt stylé, hein. Amalgame d'orage aussi. Ouais, j'avoue. Les mini-objectifs sur la map, ouais, quand je suis à côté, je le fais. Tu peux appuyer sur la flèche rouge pour te déposer au prochain arrêt, mais pas tomber. Je n'ai pas de cible. Je suis hors de portée. Il a descendu de taille là.
part un coffre qui est caché là-dedans. Ici, j'ai un event. Alors, event en vapeur. Hein? Event en vapeur. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Nickel, les gorilles. Parti sur un build d'accès quoi là pour l'instant, le leveling DPS. DPS monsieur. Ah c'est quoi ça? Augmente les dégâts infligés, what the fuck. Nickel. Merci à la nature. Je viens de trouver un truc par terre, ça m'augmente mes dégâts pendant 5 minutes. Trop bien. D'autres, qu'est-ce que c'est que ça? On va sortir les gorilles de là-dedans. Je ne peux pas l'attaquer. Pas trop compris ce que je dois faire ici. Et vent à vapeur, c'est pas par là. De rien en plus comme ça. Et ça, c'était quoi ça? Oh! In my pocket. Hop. Nickel. Ah, c'est ça le truc à vapeur. 1 sur 5. Remarque, si ça se voit bien dans le ciel comme ça, il y a moyen que ce soit du coup assez facile à repérer finalement. Ton chien de venir dans mon dos à chaque fois les mêmes. Il me faut une cible. Il y a un vapeur là, il y a un vapeur là-bas. Salut Benoît. Bon sinon vous allez bien sur le chat? Tranquillement. Je suis hors de portée. J'arrive pas à faire. Ah faut être dépossé. Ouais, j'ai pas le droit de faire le sort numéro 3. On dirait qu'il m'a cancel mon sort numéro 3 alors que c'est mon sort principal. Marqué quoi? Require arme de... Oh punaise. T'as une arme cassée? Non, je pense juste que j'ai changé d'arme juste avant là. T'as une arme à deux mains. Je dois d'abord choisir une. Je crois pas que c'est une histoire d'arme de main, mais. Donc c'est plus une arme de mêlée en fait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi que j'ai équipé? Le juju de rive. C'est marqué où le type d'arme que c'est? Une baguette? Et je peux le refaire. Bah tant pis, hein. Faire attention à ça. C'est quoi du coup? Bah en fait c'est une arme qui était pas mêlée visiblement. Ok.
C'est genre un genre de... pas comment dire... un fétiche, tu vois. Pouvez pas regarder. Un fétiche, je pense. Quoi. Un corps de guerre ou une connerie comme ça, tu vois. Une arme, c'est une arme de main gauche. Salut Jubé. Les items qui sont tenus en main gauche, c'est pas des armes. Ah, c'est vrai, c'est écrit dessus, du coup. Tenu en main gauche, ouais. Ah, donc ce n'est pas une arme, effectivement. C'est de la merde. Je dois m'approcher. On ramasse tout et on éteint. Je suis trop loin. Je dois m'approcher. C'est marrant d'avoir des trucs comme ça par terre qui donnent de la puissance. Il veut quoi lui? Je sais pas comment ça se fait, mais j'arrive pas à faire tomber la viande. Ah, c'est sûrement vraiment qu'on s'en débrouille. Je suis trop loin. Nickel. Hein. Donc on peut retourner là-bas. Ah, il y a un gorille qui me demande une quête là. Ah, il faut secourir des gorilles, tu vois. Ça peut être pas mal. Je suis hors de portée. J'aurais dû le faire en même temps. Nouvelle aventure WoW, ouais, c'est ça. C'est la découverte pour moi. Je suis trop loin. C'est pour les persos intel, les tenues en main gauche, ça permet d'avoir une arme plus autre chose au lieu d'un gros bâton. Ah oui, je vois. Je peux mettre une arme à deux mains plus ce truc-là tenu en main gauche, peut-être. Non, bah non, je pense pas. Je vais d'abord choisir une cible. Libérons les gorilles. Je suis hors de portée. Voilà. Normalement, il m'en manque quoi, 3. En vrai, il y a des dots hein, sur le perso. Hein. Ça dote, hein. Ah, je t'avoue, je sais pas comment que ça se joue. Bah, je brûle beaucoup, je trouve. Salut Calex, comment tu vas? Hop, on remet les 5 minutes. Et je crois que c'est tout. On peut aller rendre la quête là-bas. C'est énorme de pouvoir voler. Bah voilà, nickel. Ok, allez voir là-bas. Ouais, ça met bien quand tu peux. Wow. Ah oui, là, ça met très très bien, Mikul. Merci, Omera. En même temps que tu dis ça met bien. Comment tu vas, Omera? Merci beaucoup. Ou... ça va pas de flou de mon chat comme ça, là? C'est pour dire bonjour. Tout ça pour des subs, quoi, franchement.
Comment on va, Omera? Ah, déjà 29 ans, les gars. Sad, hein. On termine. C'est par là-bas. Il y a une course automatique, ouais. Merci Omera, ça fait plaisir. J'ai vu des messages, je crois, non? On n'a pas d'intel. Ouais, voilà, j'ai pas d'intel, donc... Donc le truc pouvait l'équiper, mais bon. Hop. Alors, je suis niveau 36, c'est-à-dire que... Sur mon skill build, 36, c'est... The Fall Air State. La hâte de gangrefeu. Oh, rubée fulgurante augmente votre vitesse de déplacement. Oui, monsieur! Oui, je dis oui. Je vais atterrir sur le bateau avec style. Voilà. Les Andalari ne me... Ah, je dois choisir entre deux trucs, les gars. Non j'ai rien dit. Casse-toi la vache. Pour la dame noire, ma reine. Ouais, c'est infernal. Les préparatifs sont-ils terminés ? Cliquez ici pour terminer une quête. Oui. Ah bah ok. La complainte de la Banshee est prête à lever l'ancre à tout moment. Parfait. Je suis en train de terminer des quêtes en boucle, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour déterminer où établir notre première quête. Arcaniste Val 3. À vos ordres. Ah. Vous obtiendrez ce sujet. Ouais, j'ai un sujet, let's go. Nous avons constitué un groupe d'élite. Pour exécuter les ordres de la Noune, vous décevez. Bonjour. Il est placé sous la responsabilité de Caronan. Je suis sûr que Omera, c'est... Nathanos. Merde, je sais plus. Ah oui, c'est sa waifu, c'est ça que j'allais dire. Héros. La Banshee. Suivez-moi. Oh, il y a v'là les quêtes sur le bateau. Choisir une tête de pont. Omera ? The fuck? Je vais choisir une tête de pont. Ah, c'est ça. Quelle est votre cible? Que la chasse commence. Je comprends rien à ce que je suis en train de faire là. Choisir une tête de pont. C'est déjà fait. À qui le tour? Je vais faire quoi en fait? Attends. Ici, je dois. Mission, la guerre de l'ombre accomplie. Ok. Et la mission, la guerre de l'ombre accomplie. Ah, je peux envoyer des PNJ faire des missions. Ouais. C'est Black Desert ou quoi? On connaît, c'est Black Desert, ça. Du coup, ça sera fini dans 2 heures. Ça me rappelle les ouvriers dans Black Desert. C'est vachement bien comme système, ça. Comment je me faisais v'là la thune sur le jeu. J'avais 50 ouvriers ou un truc comme ça. C'est pas mal. Ok, vous pouvez voir les missions ici. Ok. Ouais, du coup, en fait, ici, t'as des... Ce genre de choses. Wouah, l'XP de zinzin qu'il donne lui. Oh mais c'est Omera ça. Oh il est niveau 28. Oh j'étais stylé. C'est quoi, c'est un guerrier? J'ai de mauvaises nouvelles. Le Nabab Razbam nous a doublé. C'était de la folie. J'avais jamais eu cette envie de faire ce défilé comme ça. Bon j'ai 10 levels. Est-ce que 10 levels de plus que toi? Donc si tu perds, j'ai le TF4. Si tu gagnes, j'ai le TF4. What? Désolé, je suis joué après avoir failli être tué pour un marché dont je ne voulais même pas. Cela déplaira. Nous disons. Oh, c'est normal, hein. Il y a quand même une différence de level.
Je vois rien. Ce marché nous causait plus d'ennuis qu'il nous rapportait. Ah, il est un peu plus, y a un moyen plus rapide d'obtenir ce qu'on veut en se débarrassant des intermédiaires. Pigé. Rendez-vous à Kezan. Mon perso, il dansait, mais il n'était pas encore dans la forme humaine. Qu'est-ce que tu fais là, Omera? T'es venu à ma rencontre? Stylé en tout cas le bouclier, hein, franchement. Ouais, il est stylé son skin. Moi, je ressemble à un gueule. Ouais. T'as entendu ça, Omera? Je lèche beaucoup. Je lèche beaucoup avec mon DK. C'est pour ça que j'ai gagné. En DH. Ah, c'est quoi ça? Fais gaffe, mec, t'as invoqué des trucs partout là. Commerçant itinérant, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils ont disparu. Et tu fous la merde. Tu peux changer de skin avec. Bah, il a disparu, mec. Ah, c'est elle la monture qui fait descendre les trucs. Mais jure, what the fuck? Attends. C'est vraiment une monture. Ah oui, donc lui là, c'est un truc qui va te réparer les stuffs. Merci d'ailleurs. Et lui, c'est pour Transmo. Oh, jure, je peux me reskin grâce à toi. Mais non. Ok. Prendre ça. Oh, ça a quitté. Oh, JPP. Ma souris est sortie de l'écran, ça a quitté. Je vais mettre tout nu. Voilà. J'ai rien pour Transmo pour l'instant. Ah ouais, hein, t'inquiète, moi c'est pareil en plaque. Hop, pieds nus. Et là, si j'applique, ça me coûte combien? Ah, 6 gold. Ça va. Tu peux absolument changer pas les d'ensemble. Armes aussi, ton bas. Ah, on peut changer les armes aussi, c'est vrai. Ouais. Non, oh merde. Oh, rien. On va prendre ça, ça, ça. Hop, les mêmes armes. Et ça, c'est quoi ça? Ah, c'est trop chiant, la caméra elle sort, le truc il s'enlève. Regarde en haut, ouais, tu peux changer le style. Ok. C'est ça. Si tu veux, en haut, t'as un petit menu et tu peux l'ouvrir pour avoir d'autres types d'armes si tu veux changer les types d'armes. Coucou, Mera. Et coucou, Mera. Ah, je peux remplacer une arme d'épée en mode H. Ouais, c'est ça. Ah, je peux me remettre en skin de Demon Hunter. Exactement. Oh, monsieur, oui. Oui. C'est bizarre, votre pote. Hein. Pas mal. Content, là. Ah, oui. Merci. Pareil avec les autres trucs, genre les chapeaux et tout. Ah non. Non, et pareil. Tout ça avec les armes. Bah voilà, ça y est, je ressemble à un truc pour 2 ou 3 levels. Merci avec ton mammouth là. Il est trop bien le mammouth. Ah, j'avoue, la monture là c'est trop cool. Donc 500 000 PO à skip. Ah ouais, c'était 500 000 PO. Je sais même plus combien je l'ai acheté. J'aurais pas dit autant perso. Yo, alors qu'est-ce que tu fais là? T'étais venu à ma rencontre pour essayer de me duel, c'est ça? Non, pour t'embêter, ouais. Ah bah, je savais que j'allais perdre. Et bah ça, en même temps, avec 10 levels de différence, je pense... Surtout, j'ai pas joué ma classe. Et je pense que j'ai pas une bonne classe. Enfin, comme ça, en PvP, je pense pas que je sois... Vas-y, full rocks. Par contre, t'as quand même presque autant de points de vie que moi. Ah, moi, je suis en tank. Ah, tu joues tank. Mmh. Ah ouais, tu vois, genre, franchement, pour que je perde, il fallait faire. Ouais, je pas de forme. Tape des 49 et des 38. Allez, c'est moi tranquille. Je mets juste mes trucs qui tapent tout seul. Il y a des serviteurs du port qui me rock ça. Allez, peut-être qu'il me met des, go. Ah, c'est un qui retient.
Et ils vont me tuer. Je ne peux pas l'attaquer. Tu me one shot d'un coup. Comment? Tu me one shot d'un coup. Ah, je t'ai tué. Ouais, tu m'as tué en plus. Oh, ouais, non, je suis désolé. Il y a vraiment une grosse diff là, de level, je pense. Je pense que c'est des mobs hein, qui t'ont tué, pas moi. Oui, en fait, s'il me reste un HP, derrière, ils me finissent. C'est pour ça que j'ai attaqué, parce que je me suis dit, ça se trouve, les mobs vont me tuer. Ah, non, je suis stack. Dans le chat, ils pensent que c'est 275 PO plutôt. Je sais pas, non, tout à l'heure, on m'a dit 500 000. Ça m'étonne que ce soit 500 000, je pense pas payer 500 000 pour le coup. Eh ben écoute, c'est pas un retour pour moi, c'est une découverte, Big Bro. Jamais joué à WoW. J'avais fait WoW classique, mais tu sais, directement au niveau max, ou juste en faisant des champs de bataille et rien d'autre. Donc du coup, ouais, je kiffe bien pour l'instant. Par contre, je sais pas quelle quête faire, quelle série de quêtes faire, en fait. Genre, je sais pas s'il y a des trucs mieux ou plus intéressants. Voilà. J'ai l'impression que là, je suis un peu perdu en quête. Là, tu fais des quêtes, tu rends ce que t'as à rendre, là, et puis ça va t'en donner, je pense. Oui, j'ai reçu ta suite de quêtes actuelles, et... En gros, tu fais celle de Zuldazar, c'est celle de la zone T. Mm-hmm. Et à un moment, tu seras à niveau 60 et après, tu seras à Dragonflight. C'est juste là, en fait, tu vas faire une extension, tu fais BFA. Et une fois que tu seras niveau 60, ils t'enverront dans la dernière extension. Ce qui est cool, c'est que tu peux expliquer dans n'importe quelle extension. Si tu avais envie de refaire, Route L4, t'aurais pu. Si tu avais envie de refaire l'expérience de base, t'aurais pu aussi. Mais les quêtes sont tellement cringe en XP. 900 d'XP pour faire une quête, des fois. Ouais, c'est parce que tu sais, tu vas parler à un mec, tu dis yo. Mais après, attends. Comment on invite des gens? Bonjour Bukuti. Dois-je comprendre que c'est ton anniversaire? C'était le 1er juillet, mon anniversaire. Ah, tu m'as invité en groupe, mais j'ai un dragon qui m'emmène vers d'autres cieux. Mais t'inquiète, c'est pour peut-être essayer de te faire un donjon. Ah ouais, let's go. Non, moi, je suis 67, là, je suis en train de farmer les donjons aussi. Je sais pas si... Le truc, c'est que tu vas peut-être galérer, parce qu'avec le level 5, je sais plus comment c'est avec le niveau 60. Ah, on peut, ouais, on peut, à mon avis, ouais. C'est... En vrai, ça se trouve, tu veux juste nous pelle, quoi, mais... Tu veux essayer? Non, bah, je vais vous laisser, hein, je pense. Non, mais que lui, il est en objectif level 70, là. C'est juste que tu vas pas XP, quoi, si... Ok. Non, mais laisse tomber, il est en train de rush XP, mais que... Ouais, j'ai... Ah, ça attaque, déjà? Non, c'est juste pour dire yo, est-ce que tu veux tag? Et en quoi? Bah, j'ai tag DPS. Hein. Ouais, je me suis mis en tank. Faut plus laisser tank, hein, si t'as envie. Les niveaux et talents restreints, niveau maximum du donjon. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas pas être niveau 60, tu vas être niveau 50. Ok. Mais je sais pas comment tu vas XP, ça va être ça le problème. Ah, mon ressenti, d'accord. Bah écoute, pour l'instant. J'étais un peu perdu au niveau des quêtes, et sinon très agréable à jouer le Demon Hunter. Je pense que c'est le Demon Hunter qui me fait kiffer plus que sinon, le jeu. Je vous laisse, déjà. Vous êtes tous les deux proches du même level, je vous laisse faire tous les deux. C'est comme plus tu pratique veux. En vrai. Comme tu veux. On est juste pour toi, l'XP que tu vas avoir. Ouais, non, mais ça sera, ouais, c'est clair, ça sera plus pratique pour vous. Vous trouverez des personnes level 30. Moi, je vais faire mes donjons comme d'hab de Dragonflight. Ça XP bien, en vrai. Ouais. C'est XP, oui, bien. Après, si tu veux rush XP, c'est bien. Bah, je fais un peu ça, un peu les quêtes, mais c'est vrai que les donjons, c'est pas vrai. Mais ouais, bon retour pour l'instant, avec bon retour. Il me faut une cible. Il faut avoir un petit gars. Mais est-ce que normalement on était pas censé looter du 70 en bas? C'est si t'es 70. Ah d'accord, ok. Bah j'entendais sur une vidéo que tu chopais du 70 sans être 70. Ah des fois moi je l'ai chopé quand j'étais dans les 68-69. Okay. C'était frustrant parce que je pouvais pas l'équiper. D'accord. Ce qui est bien d'ailleurs, c'est qu'il level du 60 du niveau max de du coup 70, c'est 380 et quelques. Ah, ça a bien monté, ouais. Ouais, c'est vraiment pratique pour le coup, parce que d'ailleurs, tu peux faire facilement le dernier palier de raid dans les FF. D'accord. Bon, je sais pas. T'es censé avoir un coffre ici. Oh, j'ai réussi à me bloquer. Oh, nice. Ah, oh, l'XP est pas mal, hein.
Bon, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas de tank. Je Salut connais que les Triskill, pour donjons. l'instant, ouais. On va bien rigoler. Hein. C'est la On toute peut leur première fois que je fais piger. un donjon sur WoW. Ah, c'est bien, ça va te montrer un peu. Tu le fais en DPS? Ouais. Ouais, je suis build DPS. Je pense qu'une fois que je commencerai à être dans les 70, si on n'a pas un tank en permanence, je serai tank, c'est ça. Bah si t'en veux, tu peux être tank là What, aussi. vous êtes où, vous? On est en train de tuer les mobs à côté. Wow. Je peux taper? C'est bon? Ouais, tu peux. Fais-toi plaisir. On va pas te garder l'aggro, c'est tout. Oui, fuit les mobs. Fais ce qu'ils ont pas eux. Ça cause un prêtre Ah. des ombres, ça. Saloperie. Ah non, ils ont peur aussi, ils ont plus de vie. J'ai pas de DPS metteur, je suis un peu dagué. Moi, je le vois. J'aurais bien aimé voir si je fais de la merde avec mon perso. Je suis Donc du installe coup, on... curse fort, je crois, c'est ça. T'es pas dernier. Du coup, on est à... On est à... Merde. Pas comment dire. On est scale. Non, en gros, c'est les mobs qui scale. C'est l'inverse de FF à ce niveau-là. C'est les mobs qui scale. Je suis trop loin. Ah, si on peut déjà avoir les 40 secondes, ça pourrait C'est toi être le tank du super coup? intéressant. Ouais. Ok, du coup je vais lancer des glaives partout. La gros. Wesh. Lui, il a l'air mieux, non? Mais. Oh, il part où? Il y a des Ah, mobs, ils putain. veulent pas venir. Hein. Je vais aller me le Ah, parce faire le qu'en mage au fait, fond là-bas. il caste, en fait, et du coup, ça me casse. Du coup, il faut Il arriver à le casse les prendre. couilles. Hein. Juste que j'ai pas mon add-on. Du coup, je peux pas. Ah voilà, j'ai pas fait les deux settings, c'est ce que j'ai fait. Faut tout C'est dur de voir qui c'est qu'on cible. faire. Ouais, c'est vrai que c'est des add-ons, des trucs dans le genre qui permettent de mieux voir. C'est vrai qu'on n'a pas regardé ça. Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait lui qui venait sur le portail. C'est une médine. Hop là, viens, toi. Toi aussi, là. Alors, je sais plus c'est qui. C'est chier, tu les yeux. Ouais, non, c'est quand même très beau. Let's go. C'est ça qui va être ouf. Wesh, il fait des trucs de zinzin, lui. Non, oui, on est. Au niveau DPS metteur, du coup, je fais de la merde ou. Non, t'es deuxième. Comment? T'es deuxième. Ok. Et le premier, c'est Regarde quoi si comme tu classe? veux. C'est un hunter précis. Pas du reste, le hunter. Je n'ai pas de cible. En tout cas, Ok. il c'était le cas. Je Je respecte dois pas la moyenne m'approcher. de l'univers, mais ça va aller. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas appuyer deux fois sur le sort de zone pour qu'il se lance. Automatique, tu sais. Ah, il y Fallait a un faire un truc à faire clic. aussi avec ça, parce que moi, genre vraiment, les sorts de zone. Tu vois, par exemple, le jump, c'est un sort Je que je suis mets au hors sol. de portée. Un peu comme ton sort de zone. Désolé, j'ai aggro des gouttelettes sans faire exprès parce Ouais, que mon sort t'inquiète, il a c'est pas dash grave. out. Je suis trop loin. Mais ça devrait aller, c'est super lent et ça a pas de points de vie. Ouais, j'en ai Je dois m'approcher. Bon, en vrai, je peux prendre plus à chaque fois, c'est juste que comme j'ai pas vraiment l'habitude. Non, faut pas aller par là, monsieur. Non. Faut Comment faire bizarre, c'est lui le osez-vous boss. Il a aggro le mob, souiller le le boss? secret de Non, je crois qu'il allait l'univers. aggro les mobs là-bas. C'est vrai que j'aurais pu faire les mobs en attendant. J'en appelle aux eaux grondantes. Seigneur, chant. Il Je suis spam mes CDD, Et enfin, c'est une ensuite catastrophe. les Moi, il doit être créateurs. pompé reste autant. Faut sûrement éviter le milieu, je pense. Oh, punaise. Ouais, il va invoquer le truc. Ah. Ouais. Oh, c'est marrant. Mec, tu me dis si jamais il faut que j'arrête de taper, si un coup je prends l'aggro sans faire exprès, comme ça. Non, on pourra jamais la prendre. Merde, j'ai Théoriquement, c'est bon. lancé mon sort de Uncast. Je sais plus ce qu'il fait là. Ok, c'est operating. Tu as Pas normalement. aggro les mobs si jamais. Hein. Ouais. Hop, je vais, c'est bon. Hop. J'imagine qu'il faut tuer ces adds. Fais gaffe aux zones au sol. Hop.
Ensuite, attention, les spider rushing, donc il va dash devant lui. Il faut faire attention à ça parce que ça bump, et ça peut te bump en dehors de l'autre. Hop, voilà. Ouais, c'est pas très grave s'il m'a brûlé. Et voilà. Voilà. GG. Chevalière, Cerulean. Bim. C'est dur à le temps quand même. Laisse faire ton pack. C'est pas facile d'être temps. Oh, t'inquiète, tu peux. Tu peux taper dès que tu veux, il y a plein de trucs. Tu peux prendre vraiment la voix. Je suis hors de partout. Mais les je sais pas, il manque un peu de sort de zone pour ce genre de situation quand même. Mais moi j'en ai des sorts de zone, je te le dis. Je te le dis. T'es un guerrier, t'as des sorts de zone? Ah ouais, mais tu sais, je suis un dingue, donc faut que je prenne l'agro en AO. C'est vrai. Hop. Actuellement, maintenant, c'est plus difficile quand même, c'est les devs. Je n'ai pas de cible. Pas bien, mauvais tank. Bam. Ah, c'est un tauren. Let's go. T'en penses quoi de WoW? Bah écoute, là, c'est mon premier donjon, et c'est très agréable. Ok, ça va être vraiment... Là, c'est vraiment des donjons très simples. Hein. Il n'y a pas de mécanique, pas beaucoup. Plus, je te prends des packs. Et encore, c'était rempli ton temps qui te ferait vraiment des packs de zinz. Hein. Ah, dès que t'arrives 70 et que tu fais ton joueur un peu plus haut, là ça commence à. Ça commence à poser. Ouais. Oh, c'est vraiment quand t'es 70 et que tu commences à faire des mythiques, les donjons. Et là, au niveau des PS Meter, je suis loin. Ou... T'es premier. Let's go, monsieur! Ça veut dire que je fais pas n'importe quoi. Là bien. C'est-à-dire que comparé aux autres, tu fais moins n'importe quoi. Là, je ferais que je regarde, je peux me faire merci. La retape. Et... Ah bah dans ce moment, tu pourrais être plus haut. Bah j'ai bien pris le temps de regarder mes sorts, y compris pourquoi il faudrait lancer plutôt celui-là en premier, par rapport à tel truc qui pourrait... Il pourrait augmenter... Ah les dégâts, l'aide. Ah t'es dans une zone qui est... Je crois que je sorte de la zone. Non mais j'ai cru que c'était un soin moi. Ouais, non, en fait, bah, je pense que c'est un son pour lui, ouais. Et pas pour nous. Ouais, c'est ça, fait que je sors de la zone. Oh là là. Ah, compliqué. Je tank. Non, c'est moi qui tank. T'es trompé. Non, c'est moi. Non, c'est pas non, c'est moi. Là, c'est le meilleur, c'est pas non. C'est vrai, mais autant de fois des aides, ouais, c'est normal. Hop, ouais. Je vais mettre ici un peu. Je dois m'approcher. Vous serez notre prochain problème. Derrière. Peut-être faire le gardien alimentaire en premier. Oh putain, ouais. C'était une zone ça aussi. Désolé lui là. Lui il a dû stresser là à cause de moi. Et tu l'as que ça va faire. Au pire, si tu meurs, il accepte ta faute. Moi c'est ce que je fais. Je connais pas encore hein, les effets sur le jeu et tout. Ils sont pas méga visibles. Ils sont pas giga visibles. C'est chiant. Pas encore acquis. Ah, oublié que j'avais ça. Merde. Oh putain. Et tu vois ça là. Voilà. On sort de dash out des fois, franchement, faut que je fasse gaffe. Hein. On va essayer de pas. Hop, je vais te ramener là pour pas aggro les boss. Je crois qu'il faut que le kite en garde la zone. Je dois d'abord c'est parfait, c'est bon. Ça tape un peu en zone, les chasseurs Tout le monde tape plus ou moins en zone, ouais. Et ouais, les chasseurs, non, sont censés. Censé taper en zone. Je dois m'approcher. Reviens là toi. C'est ça que tu me barres comme ça, tu fais une interrogation partout. Ah putain, je sais pas, je pense que c'est... Je change, je passe sur le frère Gifta. On se voit sortir de la zone. Je suis trop loin. Ouais, mais le kick. Je vais passer sur le mage le temps que le frère Gifter meurt. Comme ça, si jamais il y a un sort que je peux cancel. Ah, ça marche pas le cancel sur lui.
Ou alors ça a pris un peu de temps. Recule. Ah, ça dépend en fait. Il y a des barres, elles sont jaunes quand tu peux les cancel. Et sinon, elles sont grisées. Jaune pour cancel et grisé, c'est que tu peux pas. Ouais, c'est ça. Ok. Je sais plus par où c'était. Ah, il a un réflexe monture l'autre. Ah, j'avoue qu'il a eu raison parce que moi je me suis un peu du donjon. Alors si personne tape, non, je devrais pouvoir prendre les packs tranquillement. Après, si c'est un paladin, il a le cavalier. Ça fait style, mais. Non, le mentor fallait qu'il tape. Laisse-moi faire mes packs. Il a pas voulu que tu packs. Il veut être dans le premier au DPS. On a fait gaffe, il y a beaucoup d'AOE là. Pourquoi ils absorbent tout? Oh putain. Oh putain. Il y a un dur. Peu de mobs là, Omira. Là. Ouais, un peu. C'est troll. Allez. Il fake. On se régène. Essayer de tuer le puriliste qui invoque des trucs là. C'est bon, je l'ai tué. Il y en a peut-être encore un. Ça. Ah, les mobs ils courent comme ça. Ah, il a des kite. C'est parce que je kite. Wesh. Il était sportif ce pack. Hein. Je n'ai pas de cible. Bon, bah. On va attendre que le pack. Le pack a été dissous, hein, c'est pour ça qu'on a mis longtemps. Hein, sinon. Ouais, je pensais pas avoir. Yolesh, comment que c'est? On va attendre le. L'insondable complexité des voies divines échappe à la compréhension de l'homme, quoi. C'est ça. Oh merde. Oh non, pas ça. Trouvez pas ça. Faites gaffe, parce que ça peut faire très mal. Je sais pas ce que c'était, mais j'ai supprimé dans le doute. T'es où, Mera? Dans le. Ah, t'es au niveau des tentacules. Ouais. J'essaie de prendre toutes les tentacules sur moi, parce que j'aime bien ça. Mais... Ouais, j'en ai pas l'air de te suivre. Là, je suis pas à cette distance, ça fait rejet. Je te fais à chaque truc. Okay. J'avais pas vu le message dans le chat, je suis désolé les amis. Je sais pas ce que c'était, j'espère que c'était pas un truc troll, je l'ai pas lu jusqu'au bout. On aurait dit un verset de la Bible ou un truc comme ça. Pas de ça ici. J'avance droit, c'est comme si c'était moi le chef. Ouais, j'attends juste le healer en fait. C'est Wonder le healer? Ah non, c'est pas Wonder. C'est Mitra, parce qu'il est mort pendant le combat. Ah, Nobs. Bon, je pense que c'est peut-être de ma faute, hein, on va pas se mentir. Le pauvre, c'est ça peut pas être... Ah, attends, parce que je sais que ces packs-là peuvent être compliqués, donc on va pas tuer un paquet. On va pas super réglé. Et qui envoie des tentacules comme ça? C'est vrai que j'ai évité de pack les autres parce que je sais que ça peut être. Oh, bon alors comment que c'est sinon sur le chat les amis? Ça vous plaît un peu de World of Warcraft en live? Je suis hors de portée. Il y en a qui me suivent sur mon Dofus. On dirait que je suis sous l'eau là, ça me met water, souffle et tout. Ah c'est bon. Ah c'est qu'il devait être en train de te arpenter des trucs dans la tête. Yo les blonds, comment que c'est? Ah oui c'est marrant ça aussi. Un sacré pack là à faire. Hein. Donc ça se fait que t'as des ailes de paladin dans le dos toi? C'est parce que le prêtre me met ça. Il me met ses ailes depuis le début. Mais... J'essaie de tout prendre. Hein. Je dois d'abord choisir. Je dois m'approcher. 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 Je dois m'appro
C'est un boss de raid elle dans Belle. Oh non, c'est pas conclu. Où elles seront broyées pour l'éternité. Allez. Tu ferais bien de régler tes comptes. Lui, je crois qu'il y a une mécanique chelou. Je me souviens plus. Je crois qu'à un moment, il peut transformer un allié en ennemi. Je sais plus ce qu'il faut faire pour le sauver. Potentiellement, tout le monde va mourir. Ah. Pas ouf, hein, c'est de mourir comme ça. Pas terrible, là, moi, hein, toi. Je peux pas l'intérêt. Qui t'a mis un ping comme ça? C'est au sol là? C'est eux. Ah, sur la tête du mec, c'est The Hunter. Et puis il y a un boost de dégâts. Avec cette fois-ci. Bon, il va. C'est même pas le boss, ça. Si, si, mais je pense qu'on a trop de dégâts, du coup ça a été un peu bidon. Faut tomber dans le tour. Il y a encore des boss. Ouais, faut tomber dans le tour. Ah ça, d'accord. J'ai oublié, c'était un trou, mais il y avait de l'eau. Fais gaffe au truc électrique, ça électrocute. La piste s'enfonce dans crois-le ou non. D'ailleurs, tu peux dash dans l'eau aussi. Avec quoi? Avec tes dash. Ah, des barres. Moi, je peux faire mon jump dans l'eau, c'est assez marrant. Non, je peux pas, je suis out of range. J'ai eu un loot. C'est possible. Ah, les brassards de la flotte équipés, voilà. Si on arrive à les éviter, ce serait bien. Parce que les combats ont... Il y a eu plusieurs loot en fait. J'ai même pas vu. Ah ouais, donc là. Oh merde, je l'ai aggro sans faire exprès. Enfin, je l'ai aggro. Je l'ai tapé. Ça va gérer ton aggro, je pense. Voilà. On va aller prendre ça. Allez, viens, toi. Ça fait qu'on fait du sens. Hop, c'est bon, j'ai interrompu la pieuvre. Oh, bonjour Volzinit. Au plus d'un moment on se sépare et faut taper des gens. Ça dépend de quoi on prend des dégâts. Non. Tu t'es éloigné. Ouais t'inquiète, j'ai pris le time. Je me suis dit ça, ça pue la merde ça. Faut partir. Ah voilà, et là, il faut que t'ailles tuer le Sunken Dyson, non, t'es tout seul. L'habitant oublié, tu veux dire? Oui, il s'appelle ça. Ouais, l'habitant. Ouais, voilà. On a deux, là. Habitant oublié. Je suis trop loin. Ah, je prends cher. Il me faut une cible. Voilà, GG. Et voilà, je passe à niveau 3. Et sur le boss, DPS metteur comment? En dessous du healer. En dessous du healer, comment c'est possible? Ça fait moins de dégâts que le healer. Ouais, c'est bizarre. En plus, j'ai fait mes sorts dans le bon ordre et tout. On enchaîne, tu veux faire peut-être des quêtes ou tu veux enchaîner un donjon? Moi, j'aime bien les donjons. On fait un autre si tu veux. Savourez cette accepté victoire. Ouais, j'ai accepté. Car c'était votre dernier. Enfin, ah, dernier, après, il faudrait que j'aille retravailler. Ah, il est déjà prêt. Ouais, c'est parce qu'en fait, c'est, on reste avec le même groupe. Je pense qu'ils veulent XP, donc ils enchaînent. Ah. Et où ce truc-là, j'ai un peu vite à faire mes talents. Ah, c'est bizarre, tout à l'heure, dans les packs de mobs, les trucs comme ça, je faisais pas. Je faisais du bon dégât. Après, c'est peut-être parce qu'il avait pas de dégâts de zone. Le ouais, c'est du mono-cible. Enfin, sur on est en donjon, oh là. Ouais, alors celui-là... Bon, ça ressemble à l'endroit où il y avait le... Fais chier, celui-là. Où il y avait mon T-Rex, machin. C'est possible. Que ce soit la même chose, que c'est... Il y a un T-Rex aussi, ici. Je suis hors de portée.
Ouais, c'est vrai qu'on peut sauter ici. On va voir si quelqu'un prend les packs de mort ou pas quand même. Ok. Alors là, il faut vraiment éviter d'être dans la zone violette. C'est ça. Et lui, au bout d'un moment, il va crier et il faut arriver à se cacher derrière un pylône. Je sais pas où je vais le tank parce que vraiment. Ah, on le rocks là, on est d'accord. Ah, on le rocks. Et à un moment, il faut arriver à se cacher. Le direct. Bah, là, il faut arriver à se cacher. Donc, aller derrière un pilier, derrière un truc pour pas qu'on soit terrifié. Ah, bah, j'ai pas eu le temps perso, j'avais pas pu de dash. Il y a un raptor dans mon dos, mais. Voilà, très grave. C'est ça qui va être un peu plus relou. Elle est là, par contre, si t'es par exemple, t'as les yeux, faut que tu fuis. C'est-à-dire qu'il veut te manger. T'as pas envie de te manger. C'est pas gentil, Pazan. Faut être très très bon. Ah putain, voilà. Plus en plus d'actes, ça va être quand même. Ça va, ça se passe bien. Je suis hors de ça. Non, j'ai mis défoncé. On essaie de finir avant. Exécute. Yes. Ah. Nickel. Ouais, qu'il fallait se cacher. Ouais, mais on a eu le temps de le kill. On a eu le temps de le finir avant. Ouais. Vous serez peut-être un sacrifice. Oh, c'est ce qu'on voulait. Fait. Bien joué, le loot. Ensuite, c'est par où? Je sais jamais. Allez, hop là, c'est parti. Ah, les donjons sont des zones normales. Ok. Oh, vraiment, je sens plus de la route. Ah, c'est par là-haut. Hop, c'est là-haut, c'est là-haut. Faudrait que je mette mes points de talent, donc je level up. Ouais, sachant si on fait celui-là et après. T'es où? Ah, t'es là. Là. Tu vois quand même pas beaucoup. Hein. Tu peux me mettre un truc si tu veux au-dessus de la tête. J'ai pas vu. Ouais, bah, on va prendre les aggros sur la boss, c'est bien. Attention des fois que les ennemis repoussent. Je suis trop loin. Ça, non, je t'ai rien. Est-ce que je peux? Non, je peux pas éviter ce vrai clash, j'ai obligé de le prendre. Je dois m'approcher. En plus, je pense que ça va être dangereux. Je suis un peu risqué ce que j'aime faire. On les gros paquets de mobs là. Ça peut rien. Allez, let's go. C'est quoi la zone blanche là? Des sortes de ça, les mobs. C'est un mob qui fait des dégâts, mais... Ouais, c'est ça. Oh, mon minimum se met. Mon minimum se met. Ah, je pense. Je peux pas prendre les deux en. Une swinging. Je trouve que je dois faire des trucs, mais j'ai l'impression de pas avoir de stun pour l'instant, ça m'embête un peu. Ah, je tue pas vite. Je suis trop loin, toi. Il est bien. Je suis hors de portée. Ok, un crapaud. D'abord, il faut taper d'abord les totems, hein. C'est les totems qu'il faut détruire. Ok. Je suis hors de portée. Et enfin, attention, bah, il va l'utiliser assez souvent. On va essayer de se transformer, on tapera plus. Hop. Voilà. Je dois m'approcher. Et donc là, maintenant, c'est le moment où il va falloir que... Enfin, bouger, je suis désolé. Mais en gros, il va poser du poison au sol.
Et ouais, en plus j'ai oublié de le qualifier un peu. Je veux pas que tu sois dedans et que moi je sois dedans non plus. T'inquiète, je fais gaffe à mon positionnement. Une mouche qui m'a fait chier en même temps. Les mouches, c'est vraiment le cancer. Hein. Pour un gamer, franchement, c'est horrible. Hein. Y'a rien de plus chiant qu'une mouche quand t'es en train d'essayer de faire un truc et de faire attention. Elle vient, elle se pose sur ta bouche, dans tes oreilles. Elle te chatouille à chaque fois que tu te poses. Volcal est à nouveau en pièce. SPV, on va te dire. Ouais, nickel. Alors que vous, comme ça, je suis stun. Après, il y a un mob ici. Ouais, les ventilos, ça counter un peu. Oh. J'ai pas qu'il y ait des mobs ici. Je suis pas le seul à pas avoir vu qu'il y avait des mobs ici. Enfin, déjà, on va essayer de rester pour les mobs. Là, à mon avis, le DPS metteur, il a dû grimper d'un coup. Non, ouais, t'es deuxième. J'étais quoi? T'es deuxième. Ah, t'es premier maintenant. You are first. Je suis hors de portée. Il est chiant lui, hein, le porte-bouclier là, je vais les focus. Je crois qu'il y en a plus maintenant. Ah, bien, faut activer ça. Faut vraiment que je fasse attention. Je suis trop loin. Il y a des mobs qui peuvent fuir, donc tu peux tomber, faire attention. Ah, il est vraiment où le bah, ils ont intérêt à cesser aussi. Là, je fais toujours attention à ce genre de truc, mais. Je ne mets jamais proche des bords. Hein. Jamais. Ouais, je me suis fait fier, c'est ce que je pensais. T'as pas un. T'as pas une petite balade là, mon perso là. Ouais, tu t'es fait fier aussi. C'est vrai, il y en a eu plein qui ont été fier. Je n'ai pas de cible. Si on arrive, on va les éviter eux. C'est cool. C'est un boss ça? Non, non, là, c'est juste des, une patrouille. Si on avait évité la patrouille, c'est bien. C'est qui m'a donné ça? Ouais, merci. Attends. Je dois m'approcher. Il est encore plus souriant, je pense. Ouais, là, je génère tellement d'orbes violettes partout. Dingue. Je sais pas si vous les voyez, vous, les orbes. Je suis pas... Mais moi, je vois pas ça. Ouais, vous voyez pas les orbes, mon perso. Le feu ça brûle hein. Ouais c'est dommage parce que je peux pas récupérer. Je suis trop loin. Point de salut. Ouais. Je dois d'abord choisir une cible. Ça, je peux pas sur mon chat. Tu vas... Et me faire brûler le cul. On va faire un truc de skier. Allez, hop. On va ramener l'autre. Merci. Merci. Merde, on approche. Merci. C'est bon. Hop, et voilà. Je suis hors de portée. Ah putain, je suis trop loin. Je dois m'approcher. Transfusion. Non, tu vas transfuser que dalle. En fait, tu pouvais pas le kick, c'est là. Les serviteurs de plasma ne sont pas les bienvenus ici. Non, genre des poules dorées, faudra que tu te mettes dedans. D'accord. C'est un boss-boss. Ouais, c'est un boss-boss. J'aurais dû me transformer avant de faire mon sort. Heureusement. Faut attention. Ah, j'ai plus qu'à passer 70 et puis à chercher quel donjon farmer pour mon équipement. Là faut aller dans les trucs rouges. Dans les trucs rouges? Ouais. Dans le sing. Dans les sing. Un seul? Plusieurs, hein, qu'un seul? Ouais, qu'un seul. Les autres le prennent. Ok. Faut que ça aille plus vite. Oh, je vais bon, j'imagine qu'au niveau des DPS metteurs là, c'est cringe hein, pour moi. Non, t'es troisième. Troisième, donc le healer au-dessus, quoi. Non, il y a le healer en dessous. C'est même moi le dernier pote. Vous n'avez pas de coffre ou de truc comme ça. Il y a le corps du mec, non, tu peux le loot. Ouais, mais il n'y avait pas de loot.
T'as juste des golds, c'est ça? J'ai eu des écailles, ouais, des golds. Impressionnant. C'est de vous avez longer entre les mains ici. Ouais, voilà, c'est ce que je pensais que ça allait faire. C'est au pays. Et il se tape quand même. Ouais, je le fais, vite fait. Je suis hors de portée. Et attention aux petites araignées du coup, parce qu'elles font des dégâts. Ah oui, faut pas les taper. Non, faut juste les éviter. Et tu vois, non, dans le boss fight, il y aura un peu la même mécanique. Ah mais oui c'est effectivement tout ça en fait de ces maquettes, la quête que je faisais. Ouais bah non tu devais faire ce donjon je pense à la fin de ta quête ou un truc. Va bientôt se réveiller, mais vous vivrez pas assez longtemps pour le voir. Je vais briser votre arme en mille morceaux. Ah merde j'ai pris la grue. Non, non non c'est juste qu'elle elle cible quelqu'un dans le pour ok ouais. Un sort ciblé. C'est ça. Donc peut-être qu'il n'y a aucune chance que je prenne la grue en moi-même. Ah putain, quelqu'un ne s'est pas vraiment à mon côté. Elle prend tarif, hein. Non, mais non, mais du dégât. Je trouve qu'il y a un temps qui doit être un peu trop stuff de base. Et si il bosse là aussi. C'est fini. Bah ouais. J'ai... Ah c'est bien ça te fait des succès en plus. Protège bras. Voilà c'est que succès level 40. Ah, je drop plus en fait de stuff. Et si tu veux quitter un donjon, tu cliques sur l'œil, tu cliques sur l'œil droit et tu fais live instance end group. Non ça quitte le donjon. Si je veux quoi? Si tu veux quitter le donjon, t'as un petit œil en bas à droite. Clique ah, oui. Droit dessus, tu fais live instance. Moi j'ai quitté parce que je peux pas enchaîner. Et donc je fais refuser? Ouais si tu as pas envie d'enchaîner avec eux. Alors l'œil c'est là. Après ils sont partis. Je fais quitter le donjon, c'est ça? C'est live instance and group, ouais. Ça doit quitter le donjon and group. Ouais, ouais. Salut Holy Shit! Bah écoute, je crois que Omura il arrête. Ouais, je peux pas continuer, faut que j'aille. Il a un travail, il est toujours bien. Il va falloir aller faire le game. Ah non, mais bien, ça va faire un peu level up. MRC. Ouais. Non, c'est pour ça que c'était cool parce que ça te faisait des petits niveaux, c'est extrêmement pratique pour aller plus vite les donjons. Ouais, c'était c'est cool. C'est vrai que les donjons, c'est XP bien quand même. Hein. Après, ça peut être un peu abrutissant si t'as pas envie de les farmer comme ça, tu vois. Mais... Ah non, bah pour le coup, ça a été deux donjons différents, donc apprentissage de mécanique, truc dans le genre, c'était cool. C'est vrai que là, comme ça, c'est sympa. Après, si de temps en temps tu veux faire des donjons, pour un fail. 4 points à mettre là, parfait. Chaos Nova, Nova du Chaos, ou Libérine et sympathique, si par exemple t'as oublié de ramasser dans un donjon ou quoi, un objet, par exemple j'ai oublié de ramasser un objet, mais ça te l'envoie dans le courrier. Ça te l'envoie dans un quoi? Dans les courriers, mais non, ouais, tu verras une petite lettre en haut à droite. Ah, là, ok. Ouais, si tu stresses pas si jamais t'oublies de ramasser un truc, ça arrive. Yes, ok. Au niveau... Bah, moi je vais vous abandonner là, du coup. Ça marche, Omera. Ça marche, Omera. Et merci à toi. Bien. Putain, je viens de voir, j'ai oublié de vous donner des dégâts. On se bat. Allez, bisous. À tout, chouchou. À tout, chouchou. Initiative, c'était ça. Je l'ai pris. Maintenant, c'est chaotique transformation. Lorsque vous activez la métamorphose, le temps de recharge de rayon accablant et danse. Oh, yes. Donc, tu fais rayon, danse, transfo, rayon, danse. Oh, ouais. T'as vu, ça change un peu tes sorts et tout. Ça les améliore. C'est cool. Voilà. Lux can kill. Regard meurtrier, rayon accablant inflige systématiquement des coups critiques. Là, tu vas bien te faire plaise. Ah ouais, j'ai pas pris deux sorts du coup. Vous consommez et annulez un effet magique bénéfique affectant la cible. Ça s'appelle Manavor. On va le mettre là. Et ça, c'est Nova du Chaos. Il faut des points de fureur, mais ça libère une éruption d'énergie gangrénée qui inflige 97 points de dégâts de chaos et qui étourdit les ennemis proches de 2 secondes. Donc, si je fais 6 et 7, ça peut être bien. 6, 7... Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Donc là, si lui, là, je lui fais ça.
Non, je peux pas en fait. J'ai pas de fureur. On va essayer ça du coup. Ah oui, donc ça me transforme et ça libère. Ok. Ah, c'est un stun. C'est un stun de zone. Ok. C'est pas un dot. C'est pas mal. Ouais. Je pensais que j'avais un loot ici, mais non. On m'en bas encore. Regard accablant, vite. Hop. Et là, c'est parti, on peut re-regard accablant. Ça, c'est très très fort par contre de pouvoir faire ça maintenant. Ouah, j'aurais dû garder mon sort pour là. Je dois d'abord choisir une chose. Merde, j'ai cliqué sur le sort sans faire exprès. Ok, donc il y aurait un coffre là-bas. Mais j'ai pas gardé mes sorts. On va attendre un petit peu. Hop là. Même pas si moi je pourrais t'emmener en donjon. Bah non, t'es trop au niveau, non DPS, ouais. Bah je sais pas. Passe à... Ok, alors voilà. C'est parti. J'aurais pas dû. Et je suis mort. Trop de mobs. Bah, surtout que j'ai très mal géré. Tant pis. Ah, je voulais un coffre. J'ai grid le coffre. Cadavre. Oh, ça fait loin. C'est vrai, holy shit? Tu joues quoi, toi, de ton côté? Et vous faites quoi de beau, vous, sur le chat, sinon? Hop, le retour à la vie. Après, j'ai plus de quête à faire ici, c'était vraiment purement pour le coffre, quoi. Donc, je pense que je vais simplement les rendre, plutôt que de mourir à nouveau. C'est bien sympa le petit donjon pour le coup. Ah, les coffres de la zone là en général ils servent pour les pour la quête avec les parchemins. Ouais. Qu'il faut ouvrir là. Seigneur de guerre Xiar tué. Ouais, ça donne des autres trucs là. Ah, ça rush là. Ah, c'est bien de pouvoir voler, du coup, tu skips plein de trucs. Vous nous servirez. Bien pratique. Remettre ça ici. Remettre ça là. Remettre ça ici. On recommence. Et c'est reparti. Trop bien de pouvoir faire comme ça, du coup. Jamais de vie. Ouais, je vole de la vie un peu. Ah ouais. Et puis quand je tape, je provoque des orbes qui me soignent. Et dans 1 h 8 min. Qu'est-ce que je suis censé faire?
allumer un feu de signal. Et cramer avec. What the hell? Je crois que t'étais pas obligé de monter dessus, tu pouvais le faire depuis le bas. Depuis le bas, tu dois avoir une touche, ouais. Tu dois avoir une touche. Le mec qui a voulu à tout prix le faire en haut, tu sais. Ou alors tu pouvais peut-être laisser ton dragon voler et appuyer. Ah, peut-être, ouais. Yo, Duplux! 15e mois d'abonnement déjà. Bon anniversaire. Merci Alcavo, c'est gentil, ça fait du brotato. Hier, Momo, Mikul était en partage avec moi. Je suis allé à la vague 38. Ouais. Je jouais avec les dagues du voleur, avec le personnage qui s'appelle Économe sur Brotato. Ah, chien. Et en fait, bah, plus t'as de matériaux que tu n'utilises pas sur toi, et plus tu tapes fort. Et j'avais genre 3000 matériaux. Et je jouais juste dagues du voleur pour générer les dagues du voleur, pour générer les matériaux. 50% de chance, c'est de base. Et puis bah, j'ai eu du coup l'espèce de marteau pilon, là, 100% de chance d'avoir un matériau quand tu tapes. Du coup, je jouais avec ça, full dégâts comme ça, ça faisait des 2500 par coup, 100% crit. C'était ultra broken. Honnêtement, je suis mort que parce que j'arrivais pas à choper assez de trucs pour me faire tanker. Ça tapait à une vitesse, c'était une rafale de 2500. Les boss, quand ça spawnait, ça mourait instantanément. Mais après, il y avait bah, tellement de sources de dégâts dans tous les sens que c'était même pas spécialement les boss qui me tuaient. Oh, ça sonne chez moi, je reviens. Hop, livraison de colis. Mikul. Mikul est là ou pas? Non. Re. Mikul. Ouais. Je viens de recevoir un colis. J'ouvre la porte. Le mec, il me fait. Mais non. Je lui dis, bah, c'est qui? Il me fait. Barbe douce. C'est Grisix. Ah ouais. Je suis. Ouais, c'est qui? Non. Si, c'est le mec avec qui tu jouais, qui t'a fait revenir sur Dofus. Oh putain! Grise. Ah, mais oui, oui. Ah putain, le con. Excellent. Et il fait livreur? Non. Ouais, il livre dans le secteur. Excellent. Putain, je suis mort comme une merde. Oh, c'est loin en plus. Le monde est petit. Il est venu me livrer mon arme de destruction massive face aux mouches. Ah, super ça. Une tapette électrique. Hein? Une tapette électrique. C'est ça. C'est full tapette électrique, j'en ai pris 6 là, elles sont toutes violettes là. Full vitesse d'attaque, crit. T'inquiète que les mouches là... là je vais aller à la vague 30 là, au moins. Mini. Et salut Roken, comment tu vas? Et oui, je me lance un peu dans WoW, ouais. Et du coup, encore merci Touflux. Et comment tu vas, toi? Allez, mec, si vous saviez comment a avancé Touflux sur le site, les dingueries.
C'est de toute beauté. Je suis la puissance incarnée. Et que je kiffe mon perso, mais des fois je me dis, oh la vache, si j'avais fait si j'avais fait un voleur, je pense que j'aurais aussi kiffé. Voleur, je sais pas si c'est aussi rapide que DH en termes de move et tout. Peut-être plutôt assassin dans le gameplay plutôt que speed. Je saurais pas te dire. Enquêter sur l'arme. Il essaie de me subjuguer, non? Pas d'accord? Notre volonté est celle des dieux. Même pas le temps. Alors. C'est la première fois que tu te lances dans WoW, perso un peu déçu des dernières matchs de flux, rien de nouveau, des trucs bancals. Première fois que je me lance dans WoW, ouais. Et moi dernièrement, c'est vrai que... Ben, en fait, ce que je faisais sur Dofus ne m'intéresse plus et j'aime pas trop la tournure des événements, sauf la magie d'ol, où je suis d'accord. Même si je demande quand même à voir comment on va s'en sortir au niveau économie. Parce que à mon avis, il y a des gens qui étaient déjà très très fortunés, qui vont tripler, quadrupler leur fortune de cette manière. Mieux pour eux, hein. Mais du coup ça veut aussi dire que bah ça sera peut-être pendant un moment beaucoup plus dur pour ceux qui ont la flemme de farmer d'eux-mêmes et qui utilisent leur kama pour acheter des choses. Que tu n'auras pas spécialement plus de kama d'un coup et les trucs coûteront d'un coup plus cher. Donc c'est le temps que ça se stagne. C'est en dessous du coup. Mais ouais, non, ouais, j'avais envie de faire autre chose. On a fait un peu de Wakfu et puis finalement WoW et puis on verra bien. Objectif, découvrir un peu ce que c'est WoW. Parce que... Ouais, il a fait quoi, là? Il est remonté, le frérot. Je descends et il remonte. Ma gueule. Ah, il fuit, en fait. Il est en train de fuir. Ah non, il est là. Attends, viens chez moi, frérot. Monte. Ramène-toi. Passe ou passe pas? Arrive à passer? Oh, il taille, hein. Allez, viens. Voilà. Pète la gueule, hein. Alors, on fait quoi maintenant? T'as cru que t'allais encore m'avoir de la même manière, toi, Nubs. On va lui mettre une marque de sigil, plus mon feu, plus... Le regard accablant full crit et la danse des lames. Je dois d'abord choisir une cible. Parfait. Wakfu monocompte à la sortie, ouais, je vais y jouer. Je serai très certainement Sacrieur tank. Sacrieur du moins, ça c'est sûr. Et je ferai peut-être deux modes. J'essaierai. Je me trouverai un petit healer de poche qui me suivra partout. C'est cool. Après, le Mage Idol, c'est pas grand chose, mais on a l'impression qu'ils font ça à l'arrache. Ah bon? Mage Alliance, c'est un fiasco pour avoir fait patienter 3 ans les gens, mais trop bien, je connais pas où. Je pourrais découvrir le jeu à travers tes lives. Et bah voilà. Let's go, Roken. À l'occasion de découvrir World of Warcraft. Parce que moi, pareil, je. En fait, WoW, j'y ai jamais joué parce que je me suis jamais dit que ça pouvait être intéressant, tu vois. Pas au point de Dofus. Ce qui me dérangeait le plus sur WoW, c'était les graphismes. Alors que le mec joue à Dofus, quoi, tu vois. Mais bon. Dofus, c'est très joli aujourd'hui, mais à l'époque, Dofus 1.29... Ah, mais attends, je dois faire un truc. Fais un petit tour en dragon, là. Posé.
Alors, qu'est-ce que je cherchais? Je suis monté niveau 41, donc j'ai un point de dévastation à monter. 41, c'est Blind Fury. Rayon accablant génère des points de fureur par toutes les secondes. Bon. Oui, monsieur! Le seul truc qui me dérange sur WoW, et c'est ce qui peut me déranger de manière continuelle, ou perpétuelle, ou d'autres trucs en réel, c'est que j'aime beaucoup les MMORPG, c'est vraiment mon kiff, mais je préfère quand je dois viser. Alors qu'est-ce que je dois faire du coup? Sur une tête de pont. Ouais, on a fait une session Diablo, mon barbare est 79, 78. Barbare, tourbilol, étourdissement. Diablo, j'avoue, c'était sympa. Ouais, vivement la saison. Je dois choisir une tête de pont. On se change des places. Ouais, j'hésite aussi. Je sais pas si je ferai sortir encore. Voilà, tête de pont, c'est fait. Salutations, fortes paroles de la haine. Les Andalari ne me portent guère dans leur cœur. C'est quoi ça? Mission, la guerre de l'ombre accomplie. Elle est où la mission de la guerre de l'ombre? C'est pas sur. Pas sur la table du bas. C'est une des missions que t'avais mis avec tes ouvriers, peut-être. Ah oui, faut attendre 56 minutes pour que la quête se valide. Là, il faudrait que je me présente au prince marchand, donc c'est en dessous. Approchez. Cette petite discussion reste entre nous. Bon, je lui ai parlé. On remonte. Ici, je dois attendre que la mission se termine. Je dois parler à Etrig. Et ici, c'est en fait les deux missions qui sont ici. Il faut que jusqu'à j'attende 1 heure, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voler. Et on va aller à la pyramide bizarre. Tu peux prendre les griffons hein, si tu préfères en vrai. Justement, je suis parti chercher le PNJ griffon. Je le cherche. T'es pas obligé de chercher, ça t'emmène direct. Ils vont plus vite surtout. Ouais, et puis ils vont plus vite tant que t'as pas le. Ouais. Franchement, quand je retournerai sur Dofus, j'ai des projets. J'ai des projets que je vais me tenir, ça va être vraiment sympa. Mais je peux pas revenir trop vite. Pas revenir trop vite, pas revenir trop tôt. Je sais que d'un côté, bon bah voilà, en termes de stream vis-à-vis de Dofus, bah je me ferai un petit peu oublier, mais c'est pas grave. De toute façon, je n'ai plus la sensation de devoir percer à tout prix. De toute façon, vu que je stream de moins en moins en termes de temps. Et voilà. Maintenant, on va aller voir la petite prêtresse déchue. Parce que je suis papa au foyer, ok non. 70 PO celle-là. Oh oui. Ok, donc pas besoin de lancer une quête parce qu'il y a une quête à aller chercher là-bas. Là, quand t'enchaînes, laisse tomber, hein. Là t'es déjà 42, bien. T'as XP d'un coup. Ouais, t'étais vite là.
peux parler à Aethryg sur le bateau et continuer la campagne, donc elle donne pas mal d'XP. C'est vrai, je pouvais parler quand même à Aethryg et tant pis pour l'autre quête. Je pouvais faire le cap sur Drustar sans avoir terminé la guerre de l'ombre. On aurait dit que c'était les mêmes quêtes. La quête là, ouais, à droite. T'en as encore une autre, je crois. J'aime bien faire ça, moi. Et hop. Ok, on a rendu la quête ici. Maintenant, on pourra aller voir le garde chiou machin là. Ah, les donjons m'ont mis bien là. Ouais, je stream moins parce que vu que j'ai un fils maintenant, c'est plus pareil qu'avant. Hein. Avant, je pouvais faire 7 heures. 7h, 18h facilement, parce que bah, c'était les horaires de travail de madame. 7h, 18h. Tu vois, ça faisait un bon temps d'exposition, donc aussi, possiblement, la possibilité de faire des projets, de faire des trucs comme faire des runsonges, une runsonge par semaine, des trucs comme ça, quoi. Là, si j'arrive à faire 8h, 11h sans encombre, c'est bien. C'est déjà que j'ai passé une bonne journée, quoi, tu vois. Après, ça va se calmer au fur et à mesure du temps. Hein. Bon, le fils a un an, un mois maintenant. Bientôt, il va aller occasionnellement à la crèche. Donc, quand on aura le planning du mois à l'avance, ça permettra de prévoir les choses. Et après, bah, quand il sera encore plus grand et qu'il ira à l'école, ça sera encore autre chose. Hein. Alors, vu que je suis 42, mais on n'y est pas hein, pour ça. Je pense que Dofus Unity sera sorti à ce moment-là. Lame de guerre calcinée, vous récupérez un montant de points de vie égal à 3% des dégâts de feu. Oh là là. Ok, full dragon. Tiens. T'es pas censé avoir une quête à rendre? Merci, c'est là. Alors, elle a l'air super alléchante cette quête, mais on va pas la prendre. Si vous me dites qu'il y a des quêtes principales à faire là-bas, gigot. On va aller prendre le point de TP là-bas. Tu peux même te retourner en vol et faire un backflip. Genre comme ça. Et comme ça, là. C'est quoi la touche pour voir la caméra en arrière? C'est ça. Yo. Il n'est pas censé avoir un truc de vol ici. Ah si, c'est bon. C'était pas gros. Mais tu l'as joué, moi. Vous importe. Mais voilà. Angel ? Je veux la mouche d'eau. Y'a pas de touche pour regarder en arrière, tu dois user la souris. Ah ouais, il n'y a pas une touche qui fait comme dans le jeu de voiture, quand tu vois... Comme dans Mario Kart aussi, là. Tu veux regarder derrière sans bouger ton... Enfin, ouais, c'est genre t'appuies sur Alt et boum, ça inverse la caméra, tu vois. Bah là, tu fais clic... clic gauche, quoi. Ouais, mais du coup, tu sais, d'un coup, en mode miroir. Ah, je sais pas si... Je crois pas.
On va voir ça dans raccourci clavier. Caméra. Vue suivante, vue précédente, zoomer, dézoomer, définir la vue, enregistrer la vue. Ah, inverser la caméra. On va mettre sur 5. Bah non, on peut pas. On va mettre sur Alt. Pourquoi je pourrais pas? Ah si, c'est bon. Ah, il me semblait bien que je pouvais y regarder. Ça, c'est bon. Ah, maintenant, ce que je voulais vérifier. Il a pris le poney en denier. Ouais, il l'a pris, ouais. Ce que j'aurais préféré, c'est que ça soit pas maintenu. J'aurais préféré. Salut Matelou, comment tu vas? Tu l'as mis sur 5 donc. Bah ouais, je préférerais sur Alt. Mais visiblement on peut pas. Pas grave hein. En plein milieu du pavé. Ça fera un peu raccourci quoi. Donc. En fait je pensais que ça allait me servir en fait. Mais je crois que ça va pas me servir. Je pensais que le fait de faire ça, ça ferait retourner instant mon perso. Non, j'ai mis 5 du pavé numérique, Omera. Pas 5 du tiré. Alors, je suis censé parler à Etrig. Ah, il est là, Etrig. Oui. Je suis prêt à me rendre en machin. Parler à Vogonel. C'est qui Vogonel? Voilà. Oh 28 mètres au-dessus. Hein? Ah, c'était le mec qui était au-dessus. T'étais à côté de tout à l'heure. Hmm. Ah, c'est lui. Qui a-t-il? Ouais, c'est lui. Hors de ma vue. What? Ah, c'est un chargement, d'accord. Mais c'est pour se barrer, ça, ouais. Après, tu pourras revenir, ouais. C'est vrai que les PNJ sont brillants, ouais. Quand c'est la quête. Oh, bah attendez, je reviens deux secondes.
J'ai un petit appel à passer, j'arrive dès que je peux. Et ça marche. Comment que c'est tout le monde? Ça va ou quoi? Salutations. On va pouvoir continuer les Kate. Remicule. Alors ça avance? Ouais, nickel. Donnez-moi de la quête là, donnez-moi. Quoi? Je disais tranquillement, je rush pas. À base de tranquillade? Oui. Au revoir. Jure, hein, je dois conduire ça? Le triclomoteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, question Waven, on peut jouer ou pas? On devait sortir en juin. Je crois que tu peux jouer à Waven en ce moment. C'était une bêta ouverte ou un truc comme ça. Ici, on vend que du premier choix. Je peux rien acheter ou vendre? Vous voulez faire des achats. Si, je peux. On va vendre un max. Yo, Cavalex, comment que c'est? 28 mois. 28 mois à moi. Ça fait beaucoup quand même. Tu vas bien? Merci pour le bon anniversaire. Attends. Ah non, merde, je croyais que tu me disais bon anniversaire, mais joyeux 28 mois. Effectivement, à un mois près, à corrélé avec mon âge. Alors on va vendre
Parce que ça craint d'avoir autant de trucs sur soi qui prend de la place. What? J'ai des bananes mais j'ai pas équipé ça. Mais non. Je n'y crois pas. Adieu. Une envie de WoW? Ouais, j'avais envie de découvrir le jeu. Un destrier éprouvé. Ok. Terrible malédiction, les autres sont tous. Ok. Pour remonter là-dedans. Ça me fume les PNJ qui me suivent dans la monture chelou là. J'ai découvert New World il y a quelques jours et c'est un banger. Ouais, New World est très très bien. Ouais. Ça, je vais pas dire le contraire, j'ai pas mal joué aussi. Ouais, c'est un très bon jeu. Elle est bizarre un peu la zone ici. Là. Oh, j'aime bien, mais il y a trop de spells, ça me prend la tête à chaque fois que j'y joue. Ah, bah c'est sûr qu'il y a beaucoup de spells, beaucoup de rota. C'est vrai que. Il faut les apprendre petit à petit, quoi. Il faut pas. Voilà un de vos éclaireurs, Galvanite. Et celui-ci est mort. Ah. Cette merde. Ah, ça conduit tout seul, d'accord. L'ambiance de cette zone côté Alliance est juste une des meilleures du jeu. Pourquoi ça serait différent de côté Alliance ici? Ah, mais elle me saoule cette mouche, c'est infernal. Passe-toi. Voilà, tu verrais la tapette électrique que je viens d'acheter là, que je viens de recevoir, Miku. Ah ouais, elle est de taille ou quoi? Ah, c'est pas ça. Tu te souviens de celle qu'il y avait à Minéville? Oui. C'était déjà marrant. Ouais, celle-là, mec, t'as mal au cœur quand tu l'utilises. Elle explose. C'est une raquette explosive, c'est pas une électrique. Hein. Oh, je vais y mourir là. Hop, le stun. Est-ce que je vais. De passer 60. Elles sont longues à tuer là, les sorcières. Pas belle. Normal que je tape de la merde quand même. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Faire le 7 bientôt. Hop, voilà. Je vais mourir à force. Hein. Mais ça, tu vas me lâcher la mouche, c'est incroyable.
Tu es comme ça en train de jouer? Un malus. Par contre, c'est quoi ce bordel? Pourquoi je tape rien et que les mobs sont ultra tanky et je mets 6 ans à les tuer? Peut-être trop haut niveau l'endroit là, non? Je sais pas. Je sais pas ce que ça scale pas. Salut Chevalier Blanche, merci. Je t'avoue, merci je Sky pas, Creepy. Je vois pas là. Donc. Alors, demain je te rejoins avec mes 26 ans. Let's go. Ça arrive, hein. Ça arrive à grande vitesse. Vous avez succombé. Pas Hubert. C'est quoi ce Beans avec des mobs qui spawnent H24 et qui sont plus forts que moi? Ah mais ça se trouve il fallait que je reste avec eux pour qu'ils tapent avec moi peut-être, non je pense pas. Mais non ils en ont rien à voir de foutre. Hein. Ah si ils tapent quand même, PNJ. Ah si ils mettent du leurre. Hein. Ah j'ai rien dit. C'est ça qui va pas en fait. C'est que je les faisais solo. Sœur Carmina. Je suis trop loin. Oula. Je crois. Je peux rien faire. On peut pas la taper. Pourquoi on peut pas la taper? Ça se trouve, il fallait faire un cancel de sort, genre, comme ça. J'ai trouvé un moyen de cancel... J'ai trouvé un cancel de sort, même les sorts gris, pour mon perso. Cancel anime? Non, pour stun à interrompre. Faiblissez pas. Le temps, c'est de l'argent. Ça vous parle? Le cerveau ici, c'est moi. Ok, conduire et drigue, machin. Donc, dans la Batmobile. Et nous, on va là-bas. Ils aiment trop les machineries, les gobelins sur le jeu là. Que voulez-vous? Et pourquoi mon XP elle est en violet? Avant, c'était pas la couleur là. Bonne question, ça. Parlez plus fort. Non, je sais pas. Allez, on retourne au Turmain. Ah, avant, c'était du repos.
Bleu, c'est le double XP, d'accord. J'aurais bien aimé savoir c'est quoi qui s'appelle de l'Azeric. Je suis hors de portée. Je suis trop loin. Oui. Ah, double XP. Ok, ok. Donc en fait, ça, c'est censé être normal, du coup. Ah, mais ça veut surtout dire que j'ai plus l'XP 50%. Vous saviez, là, j'avais ça depuis le début. En haut à droite, j'avais l'XP x 50%, là. Salutations. Ah, l'Orvla. Il est revenu. Nouveau point de talent. Nous sommes niveau 44 et j'ai le droit à 2 points. Donc 44. Ça veut dire que j'ai Master of the Glaive. Ici. Lancer de glaive de charge et ralentit tous les adversaires qui le touchent. Ça, c'est bien. C'est vraiment... C'est bien pour pull distance. Et ici, j'ai le droit à quoi? C'est marrant, j'ai un point de trop. Normalement, en 44, je suis pas censé avoir un point ici. Donc 43, Blind Fury. J'ai juste pas mis, en fait, je pense, depuis tout à l'heure. J'ai dû faire un double level up. Trillon, il me donne fou l'énergie. Ok. Magnifique. Là, je reconnais ça, c'est Crash Bandicoot. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Ça, c'est Crash Bandicoot, je reconnais. Oh, il y a un porto. Salut Arcalium. C'est un bonus qu'on a tous, c'est temporaire. Dans le buff XP, c'est différent. La barre d'XP bleue peut toujours la récup. Suffit de se déco dans une capitale ou dans une taverne. Ok. Je préfère éviter les tavernes. Omer, il m'a dit qu'il se passait des trucs bizarres dedans. Alors, ici, je dois faire un truc. Tiens, c'est quoi ça? Agrandisseur laser en 10... Mais non, jure. C'est trop bien, leur truc. Ah, il y a un ragiant, du coup. Ah ouais, donc les... Donc en fait, même les points de vie et les dégâts... Je vais vous l'emprunter, votre agrandisseur de sexe de maison. Je suis hors de portée. Ah ouais. Non. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? What? Ben, c'est énorme. C'est bien foutu leur truc. Mais allez, faites vite. Yo Anki, comment que c'est? Et tu as toujours le buff. Jusqu'au 11 juillet. Ah, ça c'est bon à savoir. Il y a une taverne où il se passe des trucs bizarres, surtout la nuit. Yes. Je savais pas que tu streamais du WoW, ça fait un petit moment que je n'ai pas passé. Avant, je te voyais sur Dofus. Salut Chimpanzob. Bah en fait, je découvre WoW. Je stream dessus parce que je le découvre. Et sinon, oui, normalement, je... Oula! Je vais dire tout ça pour ça. Ça va, ça a pas l'air d'avoir explosé. Vous avez une question? Bah ouais, Mikul, il était niveau 60, lui, le lendemain. Mikul, je vais me coucher. Je reviens le lendemain à...
Je vais me coucher, il est genre 27-28, je reviens le lendemain à 15h, il est 60. 60, presque 68 là. 67 là. 67 là. J'ai de faim. Hein, les trucs qui brillent là. Après j'avais déjà un perso donc ça aide un peu à monter plus vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Maître de vol. Ah, c'est comme ça qu'on vole avec les gobelins. Ok. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire ici? Il y a une quête là-bas. Il y a un maître de vol ici. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Ah, j'ai pas pris le maître de vol là-bas. Restez vous-même. Oh, je suis un obs. Eh ben, on va voler. Ouais, ça change un peu, ouais. Eh bien, c'est parti. Ça vole. On va pouvoir observer un petit peu ce qui se passe. On est clairement chez les gobelins, en fait. Moi, je suis en train de me faire un petit donjon, là, offensif no code. C'était vachement cool, les donjons à Comera. J'ai bien aimé. Ah, c'est sympa, franchement. Oula. Peut-être pas passé par le bon endroit, moi. Oh, non, il a bien tank, il a bien tank. Yo Barb, ton avis, on peut commencer WoW maintenant? Carrément, ouais. Carrément. Moi, je le fais sans utiliser de sésame, mais pour les plus flemmards d'entre vous, il y a les systèmes de sésame. Hein. Honnêtement, ouais, franchement, ça se fait bien. Hein. Il est où le maître de vol? Il est censé être là. Il me fait attaquer par quoi? C'est ça le maître de vol? Non, 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 non. Ah! Bruh. Ah, c'est ce que je devais faire? Que la volonté du chef. Ah si. Ah cool. Ok. Quoi, c'est un mantelé? Hmm. 18 minutes. Ok. Choisir une amélioration. Une tête de pont, une amélioration, elle est où l'amélioration à choisir? Je ne suis avare que de mots. Ah, c'est ça les... Ok, d'accord. Je pourrais améliorer ma pierre de foyer? Ou un atterrissage? Les langues conférées par votre projet. Ah, j'ai rien récent, c'est qui augmente votre vitesse de déplacement de 20 pendant 5 minutes. Oh ouais, tous les jours. Ne faiblissez pas. Passif. Que vos lames restent affûtées. Je suis niveau 44, les amis.
Nora et Mikul sont sur... Quoi? Oh ouais. ils sont en train d'élire, les PN. Je crois que Lesh il disait Omera et Anki. Garde de guerre éprouvée, je ne sais pas ce que je dois faire ici. Mission, la guerre de l'ombre, faut attendre. Et ici, il faut que je choisisse une tête de con. Alors... On est allé ici, maintenant il faudrait aller de ce côté-là. Ouais, choisir une tête... Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Choisir une tête de pont. Venu. Parlez, Moussaillon. Cap sur Draftar. Non, c'est pas ça, hein. Si. Ah, il fallait juste déter. Ok. Mais ça, c'est pas sur le bateau, le... la quête, là, encore? Non, sûrement, mais il fallait que je la clique dessus, en fait, tout simplement. Depuis mon inventaire de quête, quoi. D'accord. Moi taper. Bon, du coup, ouais, la mission se termine dans 14 minutes, on verra après. Ouais. Cap sur Chantourage. Je vais aller me chercher un truc à boire. Ouais. Alors. Hal, je vous souhaite la victoire. C'est bien les petites quêtes là, elles sont sympas. Canon utilisé. Omera, faut que tu viennes. Utiliser un canon. Ils sont en dessous les canons. Ah. Ah, je sais pas, Omera, comme tu veux. Je pensais que ça marcherait, mais... Et voilà. Et Rubicu. Embarcation prise, optionnelle. Alors, je relance un donjon. Parti. Ah! Il y avait des embarcations, j'ai pas compris.
Salut Param. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Il est censé avoir des embarcations. Il n'y a pas un bug avec tes partenaires Rally, c'est illisible tout en bas, c'était pas plus gros avant. Qu'est-ce qui est illisible ? À quel endroit ? Merci Bradbuch. Mon anniversaire c'est le 1er juillet. C'est pour ça que mon titre c'est G29. Je ne comprends pas les embarcations, c'est pas marqué où c'est que je dois les prendre. À moins que ça soit ça. Ah oui, d'accord. Ah, je cherchais des barques moi. C'est quoi que vous ne voyez pas du coup? C'est ça le problème? Bah normalement je joue toujours à autre chose que Dofus, Jinruvak. C'est juste que j'ai jamais joué à WoW et ce coup-ci j'avais envie de jouer à WoW et stream WoW. Donc c'est de la découverte. Pauvre Doggy Dog. Ah, c'était un piège. Oui. Je vais te vider comme un vulgaire poisson. Oui, c'est quoi ça? Je ne peux pas attaquer cette cible. What, c'est quoi ça? C'est un mi-orc. Ah non, c'est un orc. Ah ouais. Ah frérot. Ma proie est proche. Il en va ainsi. Oh, il a un style. Le loup, j'aimerais pas être le loup pour le coup, parce qu'il a l'air lourd le bonhomme. Bon, j'ai des puntos à mettre. Je dois être 45, une connerie comme ça. Et c'est... Aura d'immolation augmente les dégâts de votre prochaine ruée fulgurante de 200. Aura d'immolation augmente les dégâts de... Ouah, je peux faire des dégâts de fou avec ruée. Mais non. Bois. Ah ouais, donc en fait ça va devenir un sort de zone plus qu'un sort de déplacement. Yo, direction Carbelide. C'est pas un orc, mais ils se sont pas embêtés. Ah, c'est pas un orc. Genre, il a tout de l'orc. Ou alors, c'est un troll avec de petites dents et bien musclé, quoi. Oui, oui, j'ai joué à Diablo 4, ouais. Mon barbare a été 78. D'ailleurs, j'ai fait tout en live. Hein. Bah, d'ailleurs, j'ai fait tout en live. Et puis, bah, tous les jours, il y a le replay. Il y a le replay qui spawn sur YouTube. Que nous apporte... Si ça vous intéresse, maintenant, mon réflexe depuis peu... C'est que sur YouTube, je vous poste le replay, en gros, de ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'était le premier jour de la découverte de WoW. Là, c'est les jours de... les streams de Diablo, etc. Que le soleil et la lune éclairent vos pas. Donc en fait, quête orange, comme ça, ça veut dire quête principale. C'est ça? Ouais, les quêtes avec plusieurs petits tirés autour. Ouais, bah j'en avais pas eu jusqu'avant. Jusqu'à là. Les quêtes de campagne. C'est... Non, je fais sur ma chaîne principale. Honnêtement, j'aurais pu créer une chaîne de replay, c'est ce que je comptais faire de base, mais les gens disaient que ça servait à rien au final, parce que... Enfin, en gros, une chaîne de replay, ça peut être important quand dans ta chaîne, il y a du contenu principal et que les gens s'abonnent pour ce contenu principal. Éviter d'être floude par des trucs qui les intéressent pas, quoi. Mais moi, ma chaîne, c'est un foot, c'est un bordel, quoi. Cette vallée nous appartient. Je vais monter ma fureur sur ce combat-là. Et à partir de là, on va pouvoir tester le truc que je voulais. Je n'ai pas de cible.
Voltiras et la mer ne font qu'un. Ah ouais, donc ça tape vraiment bien maintenant. Ah oui, il y a des moins 2000 qui spawnent. Hein. Tranquille. Ah, tu butes donc. Là, tu vas commencer à taper après. Je ne peux pas l'attaquer. Ok, donc ça considère que je l'ai éteint, c'est ça? Je suis hors de portée. Caillou à côté de lui. Ah ouais, donc les péons, on les siffle. Mm-hmm. Ouah, moi libéré. Vous osez vous opposer à la maison Chantorage? Je dois m'approcher. Salut Olading, comment que c'est? Pourquoi le rogue est un staff héritage tissu? C'est un rogue. Quoi? Ah. Les rogues, c'est pas censé être en cuir d'ailleurs, ouais. Ok, merci Loading. Et ouais, ça va tranquille et toi? Je suis trop loin. Les augures me protègent. Je dois m'approcher. Ok. Alors, qu'est-ce qui me manque ici? Secourir des péons. Je suis... Ah mais attends, il fallait que j'éteigne des flammes mais avec un bâton. On peut le prendre. What? Pas censé être une flamme ça? Bah elles sont pas éteintes du tout. Désolé Omira. Il m'aurait donné 27 ans. Il y a une vraie grosse diff entre 27 et 29. Tiens, il a l'air d'avoir un problème. Je ne peux plus utiliser mon bâton. Comment je vais éteindre des flammes sans un bâton? Ah, c'est peut-être parce qu'il faut tuer les trucs là. Attendez, on va essayer. Non.
Pourquoi il parle lui? Un PNJ? J'ai cru. Captain Hara, tiens. Ici, je dois éteindre des flammes, et là, je dois secourir encore. Ah bah dans les deux cas. Lève là les péons. Comment je suis censé réussir à éteindre des flammes si j'ai plus le bâton? Ça détruit. Ouais. Peut-être que c'est une recharge à prendre là-bas. Restez sur vos gardes. Ensemble, nous sommes au roc. Il en va ainsi. J'imagine que personne ne sait dans le chat. Pour la horde. J'ai essayé de tuer les trucs là et j'ai l'impression que je loot pas. Mais au pire, je vais l'abandonner la quête et je vais la reprendre. Ah bah non, visiblement elle est abandonnée, on peut pas la reprendre, ou du moins pas ici. Ah bah ouais, en fait j'ai pas de quoi éteindre les flammes encore une fois. Faut juste que je tue des mobs. Hein. On va essayer de faire un pack de mobs. Un truc un peu violent. Voilà. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Merci Frigidaire. Merci pour le sub, pour le Prime, ça fait plaisir. Salut Sartek. Ah ouais, faut pas faire comme ça. Arrête. Vous osez vous opposer à la maison Chantorage? Donc là, j'ai réussi à récupérer un truc pour éteindre des flammes. Et tu t'as même pas testé d'en faire sur comme ça en random pour voir l'XP que ça te donne. De faire quoi? T'entends pas? De faire des donjons. Ah, on a fait des donjons comme en... Non, non, mais en solo, t'as testé déjà pour voir l'XP que ça te donnait ou... Ah ouais, non, j'ai pas testé, non. Pour Etarik, c'est vrai. Je sais pas. Ce sera pas aussi rapide, quoi. À mon avis, il faut éteindre les flammes des toits. Pas les flammes bleues. Je dois m'approcher. Mais non, Omira, qu'est-ce que tu fais là? Mort à tous ceux qui nous résistent. Oh.
Pense à ramasser les orbes violets, ça te régène. Yes. Donc c'est Sartek. Si j'avais pas remarqué au niveau 45 que ça me régène, franchement, vous aurez le droit de m'insulter. On sait jamais, t'as raison. C'est pas censé être eux du coup là qui me donnent de quoi éteindre. Ils sont en water, pareil. Bien sûr que je veux donjon, Mira. Je n'ai pas de cible. Bien sûr que je veux jouer avec toi, monsieur Omira. Un petit donjon. Ah, mais ça se ramasse sur les mobs. Ah oui, attaque directe. Ça se ramasse en tant que loot. Ok. Donc ça, par exemple, là, c'est pas sur les toits, mais ça doit pouvoir s'éteindre. Let's go. En fait, j'ai trouvé un truc pour cancel les castes gris, Omira. Il disait que les castes gris, ça n'enlève pas. J'ai quand même un truc qui les décaste, moi. Après, ça marcherait pas sur les boss, ça marche que sur les mobs. Yo, guide Wapiti. Alors, le stun, ouais. Ah oui, c'est vrai, du coup, le stun ne fonctionne. Moi, je pensais à ce sort-là. C'est là. Ça les enlève de tout ce qu'ils sont capables de faire. Tant qu'ils prennent pas de coups. Comme le mouton du mage. Vas-y, mais en vrai, je vais faire une petite pause. De toute façon, je vais aller faire des courses et tout. Donc, oui. Je pense que quand je reviendrai, à mon avis, tu seras peut-être sûrement plus là. Donc, on verra bien. Hein. Je te dis peut-être à Tal. À ça marche, Miku. À tout de suite. A plus. A plus, Chou. Donc ça fait que j'ai pris l'aggro, moi. Est-ce que je dois me libérer mon esprit ou est-ce que je me fais résu? Peut-être attaquer trop tôt. Je suis trop loin. Je suis hors de l'envol. Je dois m'approcher. On va attendre gentiment, on va pas grid l'aggro. C'est moi où il dit bande de couches avariées à chaque fois. Ah oui. Je dois d'abord choisir une cible. Mais on ramasse pas. Enfin, je ramasse pas. Nickel. Oh, ça ressemble à un boss, ça. Allez, je peux venir en vocal. Coucou, Omea.
C'est juste en fait c'est ma faute au début, j'ai... En fait je joue DH là, j'ai pas l'habitude de le rejouer un petit peu longtemps. D'accord. Du coup au début. Bah, c'est pas grave hein. T'inquiète, Kikette. Ah mais c'est agréable de jouer DH tant, putain, je peux faire vraiment un roi pour le coup. Tu joues quoi là? Je joue DH mais en tank. Ah mais je me disais bien aussi que c'était pas ton perso habituel. Ouais c'est... Et du coup c'est quoi, c'était un problème de gestion d'aggro t'as dit? Ouais, c'est parce que normalement je suis censé utiliser un sort qui fait beaucoup d'AOE et je ne l'ai pas utilisé, du coup je vais taper en mono cible. Donc toi t'as fait de l'AOE et t'as tout pris. Ah ouais, d'accord, je comprends. Donc c'est plutôt my bad, que je l'ai pas bien fait. Donc je me souviens plus de la voix du tout d'ici. Oh la vache, le mec qui fait la voix du perroquet. Et il dit con cavarié d'ailleurs. Si vous avez ok. Je crois qu'il disait des couches avariées, de fuck. Non, con cavarié. Pour rester Peggy 18, il faut utiliser des insultes fictives. Exactement. Ah, il pousse lui. Filout. Filout. Tagada, 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 tagada. Jamais tellement plus de ce qu'il faut faire. Celui-là, une fois level max, tu pourras le faire en MM+. Hein. Ouais, c'est max. Voilà, hop, j'ai oublié ça comme la wheel. Fais gaffe au sol parce que ça bump et c'est pas mal. Effectivement. J'ai appris à voler d'un coup bizarrement. Pourra me dire ce qu'il en est du DPS metteur T'es le premier, juste en dessous de moi. Juste au-dessus de moi, fais gaffe, ouais. Oh. Ouais, une bonne classe pour les avos. Bon, c'est-à-dire que je joue pas avec mon caca, c'est déjà ça. Mais c'est sur les boss que ça m'intéresse le plus. Bah, je crois que tu penses sur les boss. Faut que je l'installe après. Au pire aujourd'hui, ouais, quand t'auras, si, t'as, si jamais t'as le temps aujourd'hui, on prendra le temps tous les deux. Ouais, pour regarder. Dès que t'as des dispo, regarde. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire ici, j'avoue. J'avoue. Je vais juste tout tuer parce que je sais qu'il y a un truc à faire, mais je sais plus ce qu'il faut faire. Pas malheureusement. Vous avez tout simplement volé. C'est marrant les bumps là, on s'en voit voler là. Là. Je pense que j'ai pas fait le bon chemin pour qu'on quitte 18. Vous êtes où là? Il me faut une cible. Mais c'est le truc où non, t'as le petit cochon là à choper, non? Parce que là, je crois qu'eux ils peuvent être gentils si on fait un certain truc. Je sens bien le truc de... Je suis hors de portée. Je n'ai pas de cible. Mais y'a pas un event à faire en qui ici? Aucune idée, monsieur Omera. On va tenter de faire. Ah, c'est un boss, ça. Hein. Ouais, on va tenter de faire comme ça, le boss, c'est pas grave. Je dois m'approcher. Ah non, je suis stun. Je suis trop loin. Ça, c'est pas grave. Je suis hors de portée. Visiblement, c'est le capitaine machin que les gens focus. Captain Eudra, là. Je peux pas prendre l'aggro. Voilà, tout le monde. Aussi. Il y a un mec, c'est un tonneau, genre. Il y a aussi un autre. En plus, les tonneaux apparemment. Ah, c'est pas mal, c'est une réaction, c'est pas mal. Moi, je mets dedans, mais c'est pas grave, en tank. Ah, donc il n'y a plus l'event en qui à faire. Parce qu'avant, il y avait un event où tu devais libérer un petit cochon. Et après, ça faisait un truc sur le combat. Allez, focus le mec tonneau en fait. Bon, bah. C'est lui qui faisait l'explosion. Hop. Non, t'as un chemin par ici où il peut... Ah jure, il y a un coffre. Dis-moi pas qu'il y avait des coffres dans l'autre donjon. On faisait... Ouais, comme je t'ai dit, au pire, c'est pas très grave, parce que tu récupères le loot par mail, au pire. Par courrier. Ah ouais, parce que moi, je savais pas qu'il y avait des coffres. Faut passer par là, ouais. Et le but, c'est d'aller jusque là-bas. J'ai le droit à un point ici, parce que je suis niveau... pas marqué.
Moi j'ai un talent aussi, Aspent. Si on peut ne pas taper avant 46. Que je prenne solo au passage. Merde, pas j'ai méta. Vas-y. Il doit me regarder tanker et lui dire putain, mais tu fais n'importe quoi. Il est en train de rager là, je le vois. Ouais, je pense aussi. Hein. Il est en train de gratter il est en train de gratter la souris là, gratter le clavier. Ah, surtout qu'il connaît bien la classe, donc je pense que vraiment ça doit le faire rager de ouf. Merde, je les ai tapés, je sais pas. C'est bon. T'inquiète, c'est pas grave. C'est cool. Je dois m'approcher. Mais non, plus 13, du coup, il voit pas. Bon, ça va, je suis safe. Je suis safe de ouf. Hop, nickel. Et on peut vite passer la boue. Bon, ça, c'est un boss. Ouais, c'est le dernier. Okay. Donc bon, bah là, du coup, ça m'intéressera de voir pour le DPS, si jamais. Vers quand il sera genre mid-life, comme ça, tu vois. Là, j'ai absolument aucun cooldown. Donc... En fait, c'est bizarrement le... Je suis trop loin. C'est bizarrement le prêtre qui est au-dessus, je sais pas comment il fait. Enfin, le prêtre qui est le healer, il met une petite DPS à absolument tout le monde. Hein. Peut-être plus de level que nous, non? Enfin, c'est un truc dangereux, parce que là, il met genre... il met 2K à tout le monde. C'est quand même très bizarre, cette histoire. Ouais, c'est marrant. Curie des vents. Ah, nice. Mais c'était la fin du donjon, c'est un peu. Oh, c'était la fin, ça? Ouais, on va speedrun, hein. What? Ouais. Je viens de dropper des trucs, mais je peux pas les équiper. Ouais, ah non, je les ai pas eu, ça m'a juste marqué Ulinia reçoit... Ah, c'est moi qui a droppé. Ah ouais, c'est quoi, c'est... Une arme à une main. Volte face ensanglantée, stylé. Moi, j'ai rien eu à la fin. Il fallait faire un truc? Non, mais c'est que potentiellement, tu peux ne pas avoir d'item à la fin. Ok. Pas tout le temps obligé d'en avoir. C'est pas bien parce que je ne spend pas. Avec le scaling pendant le leveling, c'est pas important de voir le DPS. Alors pour moi, ça reste important. Il faut prendre les quêtes là dans le donjon ? Tu peux, ouais. Ah, c'est chiant, c'est... Enfin, je pense que c'est... Si je les prends, je pourrais les rendre au moins ? Normalement, oui, parce que c'est censé être ici, mais je suis pas sûr à 100%. Je trouve que je vais pas les prendre, moi, parce que. Je pense que je suis pas sûr de pouvoir les rendre. Alors, par contre, j'ai un peu peur de ce donjon, parce que je sais qu'il peut y avoir des problèmes de scaling dans le jeu. Donc, potentiellement, je vais me faire one shot et je vais pas m'y attendre. On va essayer de faire attention, mais. Ouais, les mobs, on dirait qu'ils sont déjà aggro. Non, c'est juste qu'ils bougent, ils patrouillent. C'est le casino, les loot. Tout le monde ne peut pas gagner. D'accord. Moi, je me demandais parce que j'ai pas eu mon mot à dire sur, tu sais, le système de dés là ou je sais pas quoi. Ah, t'as plus ça. Tu l'as cru en raid, ça. Mais t'as plus de dés en. Donc, en fait, ça montre le loot des gens. C'est ça. Ok, je me demandais. Après, c'est parce que c'est bien, parce que potentiellement, genre, s'il y a un item qui t'intéressait, il aurait pu te le donner. Quoi. Oui. On avait besoin d'un item. Voilà. Bah, là, c'est un item qui sert à toi, là, que t'as eu. Ouais. Moi, ouais, potentiellement, tu vois, par exemple, si j'étais plus haut niveau, si j'avais déjà un item, j'aurais pu te le donner. Comme on est tous les deux en cuir. Oh non, quelqu'un est aggro derrière. Non. Il a aggro les esclaves, là. Ouais, c'est dommage. Mais c'est un peu plus close que vraiment, je sais pas du tout à quel point je tanque. J'ai 7000 HP, je ne sais pas pourquoi. Perturbé. Un maxi pack. Un maxi pack, je peux rien. J'ai la méta au pire. Non. Ah, j'ai été fier. C'est pas très grave. Je vais le tuer lui, parce que c'est un DPS distance. Ah, j'ai été refier. Nice. Je ne prends pas de trop gros pack. Apparemment, j'ai pu bien tenter pendant que j'étais fier. Ça avait pas l'air de prendre de dégâts, non? J'avais pas l'impression non plus, c'est toujours moi qui avait. Je connais pas le chemin, c'est très grave.
Allez, prendre ce pack là-bas aussi, parce qu'on est content quand même. Il y a un mini-boss dedans, dans le lot. Non. Ah non, c'est juste qu'ils sont tous élites. Immobilisation. Ouais, ça marche. Pas de soucis. Attends, parce que je connais pas le chemin pour le coup. On va partir par là. Je n'ai pas de cible. On va aller par là, comment, non? Il y a quelqu'un qui gueulera et qui ira, c'est pas par là. Je suis hors de portée. Ah putain. Le bloc dans le coin. Ouais. Je suis trop loin. Je dois m'approcher. Mais quoi? Pourquoi je peux pas le taper lui? Je sais pas, il est bizarre, en plus il tape dans le vide. Ouais, vous l'ignorez. Ah, tu fais des jumps carrément toi? Ouais, c'est en tant que c'est un jump, c'est pas un dash. Voilà, par contre, le DPS il va s'envoler, hein, je te le dis. Là, le DPS metteur, tu me diras quand je peux attaquer. Attaque, attaque. Dans la merde. T'es mort? Ouais. Ah. Parce que vous avez tous mort là, du coup. J'ai trop pris. Oh non! Ah, il a l'air de tanker, hein, le mec. Hein. Attention, il a plus de mail, moi, tout à l'heure. Libérer l'esprit. Wouah, j'ai libéré l'esprit, je suis super loin. Ouais, moi aussi, je suis en train de full dash pour essayer d'y aller. Il va tenir, ça devrait le faire. Giga. Hein? Après, j'ai pas méta, c'est my bad. Ah, il y a beaucoup d'autres que j'ai pas ramassé. Tiens, prouve que tu existes, petit healer. Ça, c'est un totem, oui, totem. Bam. Hop, je suis là. Je pense que je vais rentrer un truc. Oh, oh. Hop, je suis stun dans zone. Ah, j'ai pris une immo. Ah, je prends immo sur immo. Hein. Je ne peux pas bouger. Ah, je prends des immo, immo tout le temps. Je commence à prendre des dégâts de fou. Et en fait, je crois, moi j'ai envie que je ne fais pas de dégâts. Non plus, non plus pas. Je suis hors de portée. Ah, il y a des totems. Faut casser les totems. Ah, les totems. Je suis trop. Ok, je focus. Ah, mais je peux même pas les taper, les totems, il se passe rien. Ah, ça y est, ils prennent des coups. Ils sont des autos. Voilà, mais c'était les totems qui les gardaient en vie. Je crois que... Ah non, mais dis pas que j'ai fait ça comme connerie. Je crois que j'ai pris le boss en même temps. Oui, c'est un... il y a un boss là, menu traître. Attends, je pense pas que c'est le boss. Allez, je vais dans le dos. Je n'importe quoi ce qu'on va faire. Eh ben, ah, j'ai pas cité que c'était un boss. Ouais. Pas mal, hein. Du coup, c'est par où ensuite? Moi j'ai par là, mais c'est plus. Salut Docteur Speedo, c'est salut Jean Ruvac. Moi je peux pas te donner d'avis parce que je suis en full découverte.
Je connais pas les classes. Je joue Demon Hunter, je peux te parler du Demon Hunter jusqu'au niveau 40 et de ma sensation de gameplay si tu veux. Mais je pourrais pas la comparer. Oh putain, j'ai failli y aller. Ah bah je me suis fait aggro. T'es mort Omera ou t'es pas là peut-être? Non, non, je suis là. Ah c'est que... Ah, ah d'accord. Bah, en plus, t'étais super en haut, c'est ça? Ouais. J'ai pas vu qu'il y avait un groupe derrière. Là. Enfin... Un autre groupe de mobs qui arrive derrière. T'inquiète, je les stun. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Merci Spinos. Déjà 29 ans. C'est ma première fois sur WoW, oui. Sur WoW, en fait, il y a très longtemps, quand j'étais ado, 14 ans, j'avais joué sur Ivalice, un serveur privé, MDR, je suis seul jeune. Et j'avais directement eu un perso niveau max et je faisais que du champ de bataille. Et en fait, j'ai joué genre 3 jours, je crois. Pas accroché. Et ensuite, il y a eu World of Warcraft classique, et j'ai essayé, j'ai joué 3 heures. Et j'ai pas accroché. Ah! Mais attends, je max en 3 jours. Attends, je crois que je fais non. Moi, serveur privé Ivalice, il suffisait de payer en fait pour. Pour être niveau max direct. Prenez un code à l'opas ou n'importe quoi et puis il y a peut-être des niveaux max. Et pour le WoW classique, non, j'ai juste pas accroché. Oh putain, je vais faire de la merde. Voilà. Attends, mais... Il y a un truc qui est fait, quoi. Ah, mais il y a un truc qui est fait. Je suis trop loin. C'est quoi ça, le truc qui brille là, les chars d'honneur? Je sais pas du tout où il faut aller. Je fais le petit prêtre, parce qu'il est en bas. Allez, d'abord. Enfin, il nous montre le chemin, le petit prêtre, il est sympa. Un truc qui a lancé là-dedans? C'est moi? Champion. Qu'est-ce qui t'avait déplu à l'époque? Bah, j'étais un joueur de Dofus et il fallait choisir un MMO et je préférais Dofus à l'époque. Ce qui me déplaisait sur WoW, c'était les graphismes. Hein, bon, bon. On peut donc dire ça quand tu jouais à Dofus 1.29, les graphismes c'était pas ça. Mais le gameplay de Dofus il m'avait tellement plu à l'époque, je jouais tellement trop à ça que j'avais pas le temps pour jouer aux deux. Un boss ça? Ouais je pense, voilà. Bon. On le fait? Ouais. Ok. Là, ça serait intéressant de voir pour le DPS. Ouais, je comprends pas, mais le heal qu'on met genre 10k de DPS, c'est le heal. Hein. Même moi, il me met. Je pense comme dit Anki, le fait que ce soit pas sync. Ouais, mais en fait, à des fois, quand c'est pas sync, j'ai des petits problèmes d'équilibrage. En fait, le DPS veut tout et rien dire. Boum boum boum. Ok, il manque juste un mec à tuer. Le boss de fin? Non, il en reste un encore. Hein? Non, il en reste un encore. Ok. Du coup, ça troque WoW pour Dofus. Ça troque ou Dofus pour WoW. Dans le sens là. Pour l'instant, hein. Dofus, ça restera mon jeu préféré, quoi qu'il arrive. Hein. C'est juste qu'en ce moment, bah, je. Je n'arrive plus à jouer à Dofus parce qu'il y a trop de trucs qui m'énervent, qui me sauvent. Je peux pas me forcer. Moi. J'ai plus assez de temps pour me forcer à faire des trucs. J'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, mais je peux pas me forcer à apprécier la tournure des événements. C'est vraiment dangereux ce que je veux faire. J'ai la méta. Ah, c'est quoi ça? Un méta instant, parce que je pense que... Ah,
Ah merde, Kristen. Oh, c'est chill. Arrêtez de m'immobiliser! On a marre! Marie, on a marre! Il se rend. Il va vraiment être. Il va pas long pour vous. Ah, je suis fier. Je suis fier ou je suis pas fier en fait? Je suis fier. Vous savez bien, ça m'envoie vers l'endroit où il faut aller. Donc, l'un dans l'autre. Pas si mal. L'un dans l'autre. Alors, ta rotation n'est pas bonne, Barbe, mais c'est pas bien grave quand même. Ah merde. Ah, c'est un peu... Faut dire, je sais pas. Ah, rien. Je pense que j'ai regardé un peu mes sorts. Et par exemple, je lance pas certains sorts tant que j'ai pas fait rayon accablant. J'utilise mon immolation pour pouvoir taper plus fort avec mes ruées. Des trucs comme ça, tu vois, par exemple, je fais rayon accablant plus dense des lames et ensuite seulement après je me transforme en métamorphose parce que ça me les récupère en cooldown. Ouais. Balance toujours un sort de zone, comme par exemple sigil de feu avant d'entamer mon cycle de DPS pour que ça tape pendant que je DPS. Je vais faire ça. Ça va être tranquille. Comme ça, voilà, si vous avez les têtes, vous pouvez les faire. Hop, j'essaie vite de que quelqu'un prenne la groupe. Et puis ils reviennent. Ah, mais il y a encore des gens. What the fuck? Ah, vous y êtes là, dessus? Ouais, attends, il y a des mobs derrière. J'ai vu tout le monde partir, je me suis dit que... Non, parce que personne n'a vu la patrouille arriver derrière. Moi, je l'avais vu, mais je me disais qu'on n'allait pas le faire, du coup. C'est marrant, on dirait que le fire marche pas sur moi. C'est que ça doit être ciblé, je dois pas quitter le bon truc, ou stun le bon truc. C'est quoi ce truc dans l'eau, là? Attends, on va se battre dans l'eau? Non, je le ramène. Yo, monsieur. Parce que je crois pas que je puisse lancer de sort dans l'eau, si. Si, tu vois, je viens de lui lancer un glaive. C'est le Cthulhu, quoi. Cthulhu. C'est marrant, il m'a pas transformé celui-là. Normalement, mon rayon accablant, il me transforme, et là, il m'a pas fait. Et voilà. SPVM. Oh, des gardes de jambes de minuit. J'ai le droit à un coffre. Fait livre instance groupe après, c'est juste histoire d'éviter de retomber sur le genre de donjon. D'accord. J'arrive pas trop à savoir c'est quoi ce que je drop. Je fais comment là? Je fais en bas à droite sur l'œil, je fais clic, je fais quitter le groupe d'instance. Ouais, quitter le groupe et l'instance. Et non, la guilde World of Warcraft France par contre. De quoi? Je sais pas. Je vais mourir de fuck, c'est quoi ça? C'est quelle place c'est ça? Le chaman avec nous était dans la guild World of Warcraft France. Ouais, ouais, j'ai vu. Ah, quand on lançait dans le monde, on est censé être avec des Français. Voilà, on va attendre gentiment. Je vais me régène et je vais regarder parce que je comprends pas ce que j'ai droppé. Ça, c'est marqué. Et des chasses prismatiques dessus. Attends, le niveau d'objet est plus bas que ce que j'ai déjà. Ouais, c'est pas intéressant s'il est plus bas. C'est en priorité s'il est levé. 89, 72. Et puis c'est tout, hein. Yeah, oui, il manque un dernier point à mettre. Et j'ai des pointos à mettre. Donc je suis niveau 48. Putain, c'est l'XP de fou les donjons. C'est un truc, hein. Ah, ok.
47 et 48, donc c'est Unbound Chaos. Chaos Delight. Et ici, du coup, c'est Illidari Knowledge. Dégâts magiques subis réduits. Bah, c'est bien ça. Et après, je dois prendre Darkness. Voilà. Attends, du coup, je suis toujours bien dans le bon Oh, truc. je vais vous donner bientôt 20% de chance d'éviter tous les dégâts. Bah, donne. Je suis dans mon groupe, si t'es dans mon groupe. Je suis encore en groupe avec toi. Ouais, je te relance un peu dans le groupe. Histoire de te level up un peu, parce que là, le mec, il level up pas. Chronoxor. Ah! Yo, Morgrim, comment que c'est? Ah, Morgrim, il joue à haut. Bah, visiblement. En fait, il y a Ouais, plein de joueurs WoW dans les joueurs Dofus, je suis étonné. je comprends, j'aime pas un plutôt pour WoW, j'aime pas le design, le visuel. T'aimes pas quoi? Le visuel, genre les graphismes, je suis vraiment pas fan. De WoW? Ouais. Pourquoi tu joues? Bon. Bah, parce qu'en fait, le gameplay, j'aime bien. Et du coup, comment que ça se fait que t'es pas apprécié New World? Le truc, c'est qu'il fallait que j'apprenne à rejouer à New World et ça, j'avoue que j'avais la giga. Enfin, que j'apprenne à jouer à New World et j'ai eu la flemme. Et bah, t'as plus de endgame sur. Ah, c'est sûr que Sur. le jeu est plus rempli WoW, ça c'est sûr. Mais C'est sinon, ça. c'est très 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 similaire au final. Hein. À ce que je fais depuis là, depuis le début là. C'est juste que, en vrai, t'as plus de diversité de sorts dans WoW, t'as plus de diversité de classes. Et Guild Wars 2, tu y as joué, moi? Ouais, Guild Wars 2, j'y jouais avec un pote. Après, il y a moins d'optimisation, enfin, il n'y a pas d'optimisation en fait dans Guild Wars 2, c'est un peu chiant. Guild Wars 2, le jeu est sympa, je pense que c'est exactement le même problème qu'à chaque fois, c'est juste j'ai. Ah, j'ai peur. Juste j'ai jamais le courage d'apprendre à jouer à un nouveau jeu totalement, genre. Ah ouais, je vois. Moi, les jeux auxquels j'ai le plus joué, c'est FF, et après, c'est WoW. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment le même type de jeu. Fais gaffe, il a gros le. Oh, mais il est mort déjà. On va voir que les dégâts qui collent. Rifty, t'as pas un Rifty, il est pas là pour rigoler, je te le dis. J'ai vu un chasseur là, Il met il des avait cartouches. récupéré l'aggro direct en tapant. Ouais, c'est ce qui m'a pas. Après, j'ai juste mis un coup, je pense qu'il m'a pas trouvé sa setup. Bon, en fait, dans le doute, c'est aussi la grosse. Hein. Une petite tape à distance. Alors Morgrim, ça mène quoi? Ça mène quel rôle? La vraie chose que j'aime bien en haut, c'est que c'est facile à prendre en main, donc ouais, c'est pas. Wow, c'est facile à prendre en main? Je trouve, comparé à des jeux justement comme ça s'appelle. C'est parce que tu connais déjà, hein, je pense. Hein. Ouais, mais enfin, il y a un moment que je connaissais pas du tout et j'ai appris à jouer petit à petit. Ouais, je sais pas. En vrai, je trouve que mon expérience sur Guild Wars n'a pas été terrible, terrible, j'avoue. Après, c'est peut-être parce que je jouais avec un pote qui connaissait bien le jeu. Du coup, j'ai peut-être l'impression de me faire taire. Il y a peut-être des Au chances. bout, on a découvert avec Anki, donc c'était tranquille, tu vois, on n'avait pas. On a découvert petit à petit, on regardait des streamers et tout dans le genre, et on apprenait à jouer comme ça. Moi, du coup, qui découvre WoW aujourd'hui, qui n'avait jamais joué avant, il y a vraiment beaucoup trop d'informations pour que ce soit simple à apprendre. Quoi. C'est vrai que nous on a eu de la chance qu'on a aussi appris avec l'arbre de talent beaucoup plus simple que celui-là. Du coup, t'avais trois talents au poids et c'est tout. Toi, t'avais pas comme là où t'as vraiment un vrai arbre de talent avec plusieurs choix, etc. Mais ça c'est bien. Ok. Bah, Guild Wars, je sais pas si j'ai joué trop tôt, mais bon, après, c'est possible. Hein. C'est moi ou de sort du mode du PNJ, c'était Cola bien frais. J'ai déjà en anglais, je sais pas, mais. Ok. Putain,
pas mieux en fait. J'arrive pas à voir, vu que le dash est très rapide, hein, j'arrive pas à voir si c'est rentable de dash deux fois, une fois que j'ai fait mon immolation. En termes de dégâts. Je sais que, à une époque, j'avais du dash beaucoup, mais alors exactement pourquoi, je ne sais pas. Ouais, c'est ça, hein, Kaja cola bien frais. C'est ça. Le sort. On termine. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des gens qui ont repris de la vie derrière. Ouais, c'est ça, Kaja cola vous frais. Je dois m'approcher. Ouais. Système enclenché. Initialisation du combat. C'est le boss. Ouais. On est qu'un, non? Et c'est pas le boss de fin? Non, non, c'est pas le boss de fin, il y en a... On ne voit pas le truc. Il y en a un peu, normal. Il y en a trois, je crois. Protocole d'exécution. Je reste en train de... J'imagine que lui il est encore au-dessus de tout le monde. Non, c'est un hunter style, il tape comme comme un camion. Ah. Je sais pas si c'est un dash. Je pense que j'ai pas les bons talons et il y a plein de trucs que je dois pas bien faire. Qui nous donne la stratégie boss. On la voit. Donc bah c'est fini. Ah t'es là-bas. Heureux. Je te vois tellement vite. Ah mais je suis un DH, hein, ça va vite les DH. Ah, ça derrière, non. Oh putain. Ouais, si on explose. Ça va être là-dessus au niveau du pack. En fait, c'est ce que vous voyez pas mon healer, et comme j'ai plus de CD death, enfin, j'ai plus de gros CD death, j'avoue que j'avais un peu peur de mourir. Il m'a l'air d'être un peu lent. Je te demande juste par rapport à mes lancements de sorts de zone, tu sais. Non, oh, t'inquiète, là j'arrive pas à la récupérer. Comme ça, on va avoir la vie de fou. Bam. Le tapis me permet de troll, c'est ok. Ça marche. Je n'ai pas de cible. Il est en train de décéder là. Il y avait des AOE au sol, vous êtes peut-être toutes prises. Je les voyais pas avec la, la montée. Vous voyez qu'il y avait un peu de mouvement, mais. Mais c'était pas très visible, c'est les trucs de terre. C'est pas pratique. Le truc là, là c'est tapé avant moi. Ah non, c'est pas ça. Non, c'était les explosions. Étonnant. Et Locanu, comment c'est? Bienvenue ceux qui viennent d'arriver sur le live. Des patates de pourri là. Vous êtes sur mes... C'est le boss aussi ça. Donc, Il est pas content Azeroth. Tiens, celui-là. C'est moi, c'est top un tout petit peu d'alcool, monsieur. Vu que j'arrête de taper. Ouais non ça va mais c'est l'autre là qui... Il y en a un il tape comme un camion. Comme un quoi? Un camion. Il tape fort. Ouais. Hop, on va mettre ça là. On va faire un petit regard accablant. Hop, on va faire le numéro 6 et on enchaîne sur le 4. On recommence, on remet. Et déjà mort. Ouais, vraiment, il y a quelqu'un qui tape. T'as un des hunters qui tape vraiment violemment. Ouais, son DPS meter il écrase tout quoi. Oh ouais, genre vraiment, vous êtes très très bas à côté de lui. Ouais, mais moi je suis très très bas. En voiture tout le monde. Mon dernier donjon d'ailleurs, ça me rappelle la vie.
Ah putain, oui, non, j'ai pas fait un gros pack sur celui-là, je me souviens. Ah putain, j'ai fait mauvais truc. Non. Oh la cata. Oh la cata. Ouyeh yo. En train de prendre Bagdad. Hein. Je vois s'il y a des zones de heal que je peux rejoindre. C'était ça. On va s'immoler hein. Voilà. Exactement Canu, on essaye World of Warcraft. Ça a été brouillon ce pack. Je pense que je ne lâche pas tant que je suis pas 70 et que j'essaye pas le contenu 70 sur. Tu penses pas les donjons pour l'instant, c'est des petits donjons nuls, mais. Ouais, c'est super sympa les donjons. Ah, ouais, c'est sympa, c'est cool. Désolé, Jubé, j'active plus le truc en ce moment. J'ai perdu l'habitude de le faire. Merde, je suis allé aggro des mobs. Pas par exprès avec mon dash. Reprends. Je me suis même fait métamorphoser en. Une espèce de d'éternuement là. Ah bah, me suis refait méta. J'étais presque à la fin de la méta et je me suis retrouvé. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Je vais juste jouer. Ouais. Ils sont durs à tenir en aggro les autres deux yeux là. Oh, TTX, merci pour le prime. Bienvenue à toi. Hello, t'es tout beau avec ta nouvelle coupe, joyeux anniversaire. Salut Neftia. C'est gentil, merci. Tu as deux doigts de couper tous mes cheveux de roi de chauve. Je supporte plus mes cheveux. Madame Douce a réussi à me faire une coupe, mais moi ça me m'énerve. On est marrant. La seule raison qui fait que je garde mes cheveux, c'est qu'à chaque fois que je vais à une fête de famille, comme par exemple à mon anniversaire, on me redit « Ah, t'es quand même mieux avec des cheveux. » C'est cool. Déflagration. C'est moi les matins après le café. J'ai pas le temps de cette up là gros avec les hunters. Il y en a plusieurs. Il y en a deux. Il y en a un en particulier qui m'embête. Flip. Ça va péter. Ça va péter. Je suis trop loin. Je dois m'approcher. Ah, je suis prêt. Je suis hors de danger. Petite chance. Ah mais l'arc space là le... On monte pour l'aggro, ouais t'inquiète. Le combat là, l'arc space. Ouais c'est... C'est un peu random hein, ce que je fais, je vais pas te mentir. Pas sûr à 100% de comment je me setup mon truc. Je pense que l'empire est libéré et il meurt doré je pense. Il pleure des larmes de sel. Des larmes de sel. Je dois d'abord choisir une cible. J'essaie de faire repousser pour des cheveux longs, mais être chauve me manque. C'est vrai. Ouais, c'est pas facile du coup, en passer chauve à cheveux longs. Moi, c'est exactement ça. Hein. J'avais dit, bon bah les gars, ça y est, je relaisse repousser et on retourne mode cheveux longs, quoi, tu vois. C'est censé être ça. Hein. Mais bon. Là, fais gaffe, il va tourner sur lui-même, et donc du coup, tu vas y des tirs, ça va faire des dégâts. Tu suffit de lui rentrer en dessous. Ouais, quoi. Tu rentres en dessous et la zone, c'est quoi ça? Ok, donc là, en gros, tu vois, il va être. Il est en l'air, le bordel. Et en gros, dedans, il va cibler quelqu'un.
Donc potentiellement tu peux être ciblé. Et il va, voilà, il va mettre des petits trucs comme ça au sol. Et quand t'es ciblé, faut que t'ailles à côté de ces petites de ces petits trucs. Là, par exemple, il y en a un qui était ciblé, tu vois, il s'est mis là. Donc en gros, lui il va tomber dessus et je crois qu'il faut le faire tomber deux ou trois fois, je sais plus. Ah. Donc le prochain là, c'est là. Voilà. Et là par exemple, le mec est ciblé, donc il s'est mis à côté. Parfait. Là, le dernier est tout là-bas, donc là si jamais et boum ciblé. Et là, tu il en reste un là-bas. Il faut aller ici. Voilà, c'est toi qui t'es ciblé, tu vois, tu restes ici. Tu bouges pas, tu bouges pas. Il faut que j'esquive ou pas? À la fin, ouais. Dès que tu vois là-haut, vas-y, tu peux te barrer. Voilà, parfait. Ok. Et là, bien joué. Il est mort. Ok. Ouais. Ouais, vraiment, je pense qu'on était avec des gens qui étaient dans full PL là, parce que ça tapait. J'ai eu le haut fait, le fion. Ah, bah non. Ah, t'es niveau 51, GG. Ah non, 50, non. Ah non, 51. J'ai pris deux levels. Que ça m'a dit, ça m'a donné le OP niveau 50 et c'est marqué je suis 51. Je pense que t'as eu l'XP du boss. Into, ça a donné l'XP du donjon. Donne quasiment un niveau. Ok. Mais moi, j'ai pris ah oui, effectivement, j'ai 3 points à investir. Fuck. Mais ouais, t'es niveau combien toi déjà, Omera, avec celui-là? Là, je suis 50 avec celui-là. Bah, let's go. Même level. Yep. Mais donc, il te reste 9 niveaux et tu seras 60, tu pourras commencer à faire Dragonflight. Et ça va être cool. Darkness, on avait dit. Invoquer les ténèbres. Et à côté, du coup, comme je suis 51, c'est 49 et 51. Donc Furious Gaze et Inner Demon. Lorsque votre canalisation de rayon à câble blanc arrive à son terme, votre hâte est augmentée de 10% supplémentaire. La hâte, c'est quoi? Adoptez votre forme de démon, votre prochaine frappe de chaos libère un démon intérieur, abat sur votre cible et inflige... Pouah, les gars. Ok. Incroyable. Du coup, j'ai un nouveau sort qui s'appelle Ténèbres. Vous invoquez des ténèbres. C'est un sort de zone. On va partir du principe que oui. Ah, tout le monde a quitté? Je suis tout seul? Ouais. Tu veux pas faire un live instance truc et... T'arrêtes là-dessus, c'est ça? Ouais, enfin, il va être midi, donc j'aurai ma livraison dans pas longtemps, donc potentiellement, okay. Il va falloir que j'aille FK dans le donjon, ça va pas être pratique en tant que tank. Et c'est où les quêtes que je dois rendre, que j'en avais pris au début du donjon? Merde. Ouais, c'est un autre donjon, donc c'est pas ici. Ah oh oui, c'était le donjon d'avant. Ouais, je pense abandonner celle-là, c'est pas très grave. Bah, c'est pas grave, je vais juste les... Donc puis tu les rendras plus tard dès que tu peux. Ouais, voilà. Oh, le mec, il a invincible. Et voilà. Donc, clique, quitter le groupe. Salut, je ne sais pas si tu sais, mais ton dash en arrière applique un debuff si tu le fais proche d'un ennemi. Il me semble bien qu'il y a un... Ouah ! Alors, attendez. Hop, on va faire un truc. On va faire ça, ça, ça. On ressaute. On fait ça. Jump. Oh, j'ai réussi à survivre, je suis content. Bon, j'ai failli mourir. Si jamais cet après-midi t'as besoin qu'on regarde pour les add-ons, ouais, on regardera. Ouais, tu m'enverras un message dès que t'es dispo. Oui, monsieur. J'aurais juste un truc, moi, de 14 à 15, à partir de 15, je serai dispo. Ça marche. Bah écoute, on se captera. Ok, à toutes. À toutes, merci à toi. Amuse-toi bien. Ciao, ciao. Ciao. Alors, je sais plus il est où, mais je sais que j'avais appris un truc qui faisait que mon dash arrière appliquait un effet ou je sais plus quoi. Bon, ça, c'est pour supprimer les effets de ralentissement. Déjà, c'est déjà une chose, mais j'avais un autre truc dessus. Je ne sais plus où il est. J'avais appris il n'y a pas très longtemps. Alors, c'était de ce côté-là. Tant pis. Baguette puissante. Ah oui, c'est vrai qu'on est en train d'essayer de dropper des trucs pour éteindre les feux. T'es abonné pour un mois? C'est ça, Badi, ouais. Je me suis abonné pour un mois. Du coup, on a commencé WoW avec mon frangin. Bon, lui, il avait déjà joué, hein, donc c'est pas une découverte. Et lui, il est monté en 2 jours, il est monté niveau 60. Ça fait un an que t'as pas joué à WoW. Let's go, Neftia. 45 en plus, c'est bien. On va essayer de pas utiliser les gros cooldowns parce que si je me fais aggro par un pack encore une fois.
Ça c'est pas mal. Par contre, on n'arrive pas à choper le truc pour éteindre hein, pour l'instant. Ah, là le truc de démon. Lequel vole de la vie? Oh, seul... Ouah, non hein. Non les frérots là, qu'est-ce que c'est que ça? What? Pas d'accord. Heureusement qu'il y a un vol de vie. Hein. La vérité réside dans les abysses. Tout ça et j'ai eu qu'une seule... Oh ouais... Boum. Salut à Big Sean, comment tu vas? Oh, c'est gentil. Le pass mensuel pour jouer me dégoûte un peu. Je veux dire 13 euros par mois. Bah, quand on a eu l'habitude de jouer à Dofus, c'est vrai que... Enfin, pour les joueurs monocompte. C'est vrai que... Bah, faut payer, quoi. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui demandent est-ce que Dofus n'est plus d'abonnement. Hop, j'ai eu une baguette. Alors ça, c'est tip top. Oula, ça fait un paquet de mobs. Oula. Alors, on va faire ce qu'il faut. Oh non. J'allais dire, je vais me transformer et tout. Non. Libérer l'esprit. Je dois m'approcher. Je suis trop loin. On dit que c'est que de pleurer à côté, alors je pense que... Il faudrait mieux que j'arrête. Je dois m'approcher. Tu t'en sors avec le grincheux là? Oh vache! Il a l'air vraiment dans une forme. Il a l'air dans une forme olympique. Arrête-toi! Oh. Je suis hors de portée. Tu lui as tué. Tu lui as donné du Red Bull quoi. Tu vas faire ta chat! Ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse ça. Ouais. Il faudrait que je change mon à propos. Mais là, surtout, il faut que je vous laisse, je pense. Oh non, je me suis fait aggro. Est-ce que je peux réussir à jouer au clic? Oh putain. Ouais, j'ai réussi à jouer au clic. On va rester ici. Voilà. Et puis, on va y aller. Hein? Papa, il va s'occuper de toi? Je vous laisse là-dessus, les amis. On se retrouve peut-être tout à l'heure, si j'arrive à relancer. Sinon, n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne YouTube, parce que quand vous voulez revoir un live, vous avez les replays sur Twitch, mais vous avez aussi la possibilité de voir les replays sur YouTube. Voilà. Donc, j'essaye de temps en temps d'en faire des montages, mais la plupart du temps, c'est... Je balance le replay là-bas. Hop, 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 on touche pas le micro, mon chaton. Bisous, et à bientôt.